Et on est en ligne. Et ça commence par un blanc. Voilà. MJ, quand tu veux. On est en ligne. C'est quel épisode déjà? 192. 192. Voilà, on est à l'épisode 192. Bon appétit. Bon appétit. Ouais, du coup, vous pouvez faire le 192, 168, 1, 7 ou 2, ou selon votre IP local, et voilà. Une numéro complémentaire de tous. Eh ben oui, vous, bah du coup les gens ils peuvent se faire les épisodes de leur adresse IP locale, c'est cool. C'est cool. Ou ils peuvent se faire une grille de loto avec les épisodes, parfait. Voilà. Bon, t'as prévu un truc pour l'épisode 255-256 Ah je, bah ça doit te prévoir, hein, tu sais, bah non, c'est pas à moi. C'est hein. Le 257ème qui doit bugger normalement. Jackie et Michel. Voilà, tu vas sur des terrains glissants, mon jeune ami. C'est plus que glissant, voilà. Hein. Donc, Thorgren, tu nous faisais donc le résumé de ce qui s'était passé la dernière fois. Ouais, au lieu de dire des conneries. Voilà, voilà, j'ai tout gagné. Alors, le résumé, c'était... je me rappelle bien. C'était une fois. Non. Il y a, c'était pas dans celui-là, Clean. Elle faisait son, elle commençait à faire son, ses tournages, c'est ça? Elle continuait, mais elle avait son premier, sa première scène de cul. Voilà. Tout de suite, comme tu dégrades le truc, c'est une scène de cul. Non, parce qu'une scène de cul, elle en a eu une, mais c'était un peu dégueulasse. C'était il y a longtemps déjà. Il y avait déjà eu des petits soucis. On a appris qu'en fait, le studio était pas très bien entretenu. C'est pour ça que, en fait, je pense que la production l'a loué parce qu'il était pas très cher. Il y avait aussi le fait qu'on avait reçu moi au central des infos sur ce qu'on avait reçu de retour. Le retour de c'était quoi? C'était le retour de... Oh, je sais plus. J'ai un trou de mémoire, là. J'ai repris le boulot il y a une semaine, j'ai un trou de mémoire. C'est bon, monsieur. Ouais. On t'a pas donné accès au Dropbox, à Dropbox. Non. Parce que du coup, il y a les notes dedans, donc... Vous pouvez l'aider, quand même. Je me rappelle du chat qui était bouffé, là, à la fin. Ouais, alors, en fait, il y a deux parties. La partie studio, où effectivement, on a eu quelques... emmerdes avec le studio, voilà. Un luminaire qui était mal attaché, un truc comme ça, qui a failli tomber. Voilà, et donc on a un peu enquêté là-dessus et on a appris que le studio effectivement c'était un peu le moins cher et le moins entretenu de tout le parc de studio. Il était même dangereux, après, oui. Il était très dangereux. Voilà, et j'ai fait mon rapport. Avec la photo que j'ai quand même mis dans le rapport. Ouais. Et de l'autre côté, en fait, comme y a eu des problèmes, comme à cause de ça, il y a eu des retards et que l'acteur Peter Shelley qu'on doit protéger n'avait plus de scène à tourner, etc. Il est rentré chez lui en fin de journée, quoi. Et du coup, le reste du tournage qui avait pris du retard a continué, donc Lynn est resté sur place pour faire ses scènes. Voilà. Et du coup, les autres ont investigué sur la disparition d'un chat qui appartenait à une gamine.
qui est venu voir l'acteur en disant qu'il est venu voir l'acteur et. Non, ils ont pas investigué, ils savaient qu'il était déjà mort et en morceaux oui, le chat. Mais c'est une métaphore, tu vois, c'est un euphémisme. On a investigué sur ce qui excitait le chien tous les soirs, qui était un chat. Voilà. C'est un euphémisme, quoi. Donc, c'est effectivement, voilà. Vous avez trouvé que Fenrir s'était pris de passion. Et vous vous êtes débrouillé pour retrouver un chat en parallèle. Un chat de cube. Qui fasse son remplacement, quoi. D'ailleurs, il y en a qui voulaient traumatiser une petite fille en lui disant qu'il était mort et tout. Non, mais moi je suis trop honnête en fait. Un des chats du voisinage a disparu en tant qu'achat péricube et du coup, elle est venue chercher son chat et donc l'acteur a lancé une mission express racheter un nouveau chat qui ressemble. Ce qui semble être une mission récurrente et habituelle. Oui, parce qu'a priori son chien a l'air de bouffer à peu près tous les chats du quartier. Oui, c'est il s'est pris passion pour les félins, quoi. C'est... Enfin, tout ce qui rentre dans le jardin et qui peut pas piffer, en fait, mais bon. Ouais, mais tu vois, c'est plus facile à remplacer une araignée mygale, parce qu'il y a rien qui ressemble plus à une mygale qu'une autre pigale. Avec un chat, quand même. Ah, c'est faisable pour une enfant, elle voit pas trop. Ouais, enfin, elle a 12 ans, la gamine, tu vois. Ouais, c'est ça, donc... Ton chat, elle a découvert sa sexualité avec, tu vois, donc je pense non, que... Non, c'est dégueulasse. Non, ça c'est moi qui salis tout. Ça va trop loin. Excusez-moi, mais c'est pas impossible. Hein, donc, Après, on dit que je tourne sur la terre glissante. Là, c'est même mes imitos au film. Ouais, mais toi, tu cites des noms, c'est pour ça. Ah, oui, d'accord. Okay. Mais bon, c'est tout. En plus, tu peux expliquer le changement du comportement du chat par le fait qu'il est resté longtemps dehors et tout, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on s'est été arrêté à là, hein, je crois. Oui, bah. Non, vous aviez remplacé le chat, vous aviez réussi à en acheter. Ouais, on a remplacé, c'est bien. On avait enquêté aussi sur les producteurs, mais on n'avait pas trouvé grand chose qui puisse justifier d'enquêter sur une potentielle utilisation de l'arrêt de la disparition de l'acteur comme moyen de rembourser les pertes. Ah si, il n'y avait pas aussi, on s'était pas fait suivre par une moto, si, on était à deux voitures. J'avais prêté. On s'est fait suivre et on pense que c'est des paparazzi en fait, c'est tout. Il y a deux événements bizarres, le premier c'est donc les motos, mais c'était a priori des paparazzi, ils avaient un appareil photo et ils ont fui dès qu'on a allumé les gyros. Ouais. Et le deuxième c'est un voyeur slash potentiellement quelque chose du type lunettes d'armes qui a été spoté par... par Lynn pendant la scène de nu. Et du coup, ils savent pas trop. Enfin, il a réussi à s'enfuir. Qui que ce soit un homme ou une femme, a réussi à s'enfuir. Donc, on sait pas si c'était juste du voyeurisme ou du stalking ou une menace. Voilà. Si ça se trouve, il avait juste une lunette de chat autour du cou. C'est tout. Ça brille pas pareil qu'une lunette de. Et aujourd'hui, c'est le festival du film de Burbanks, là, et on doit aller l'accompagner chez les qui va faire... Non, c'était pas encore le festival, encore la veille. Il fallait qu'on prépare le festival. Pour le festival est en cours, mais la cérémonie où vous devez aller, c'est le lendemain. Ah, d'accord. Vous êtes dit que c'était peut-être une bonne chose d'y aller un minimum en amont, histoire de préparer le terrain. Oui. Tu me parais pas déconnant, en fait. Même si ça m'aurait beaucoup fait rire que vous le fassiez pas. Mais bon. Sachant que moi j'ai encore des tournages aujourd'hui. Bah ouais. Tu dois filer ta mort à filmer. Hein. Je suis sûr d'une chose. Vrai. C'était prévu dans le scénar qu'on s'occupe que du jour même du truc. Non. Non, il n'y a rien prévu dans le scénar de ce côté-là. C'est vous qui faites votre planning. Moi je sais les événements qui se passent. Et après, là où vous êtes, c'est votre problème, pas le mien. C'est vous qui voyez. Du coup, alors, moi je pour vais. Pour la journée, je... on fait comment? Parce qu'on a le studio avec Lynn, on a le festival qu'on doit faire une reconnaissance et on a la maison de Peter Shelley à garder toujours. Bah, moi je pense que la maison de Shelley, on peut la passer pour aujourd'hui. On met personne dessus aujourd'hui pour le moment. Enfin, pour le reste de la journée, on envoie trois personnes. Et puis c'est tout, quoi. On envoie trois personnes au festival, comme ça, ça vous permet aux gens qui sont là-bas d'être de tout voir, tout visiter, prendre les détails, sécurité, tout ça, et de bien cadrer le truc. Et potentiellement, du coup, vous n'allez pas en avoir pour toute la journée, je pense, les gens qui vont là-bas. Donc après, le groupe de trois se split en deux, il y en a...
Ils en laissent quelques, vous en laissez quelques-uns à la maison pour vérifier qu'il n'y a pas d'explosifs à une heure avant que le mec revienne, et puis le reste va au studio le récupérer, quoi. Et du coup, on n'est que deux, donc moi et quelqu'un d'autre au studio, quoi. Je pense que pour le surveiller... Tu veux toujours que je t'accompagne au studio ou tu veux changer ? N'importe. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent assister à des scènes avec Lynn et surveiller du studio ? Non, moi j'étais plus sur la préparation de la survie de l'acteur pendant le spectacle, enfin pendant l'événement. Et après les autres, je ne sais pas. Bah, dans ce cas-là, je vais laisser Max, Clyde et Dennis aller checker et faire reconnaissance, et moi j'accompagne Lynn au studio pour continuer. Après tout, ils me connaissent déjà, donc ça sera peut-être plus simple. Si ça vous va bien, bien entendu. Bah, ils connaissent tout le monde de toute façon, donc... Ça me va. Ça me va aussi, ouais. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Oh, tu peux te dire, il faut votre âme, hein. Le MJ n'a pas son mot à dire. C'est cool, ça j'aime bien. Fais gaffe, hein. Ça peut changer. Si tu nous fais une crasse, je te rappellerai cette phrase. Ouais, mais ça me fera les pieds. Bon, allez, Vae Victis, on te laisse choisir avec quel groupe tu commences. MJ qui n'a pas son mot à dire. Bah, de toute façon, il y a toujours le truc habituel où moi, avant d'aller au studio, je passe par la maison pour les récupérer et les escorter. Ouais, tu fais la... Histoire qu'on ait deux véhicules au moins. Bah, comme d'hab, hein, vous me faites tous un jet de perception instant flic. Pour tous les trajets et... Kedoki. Ah. Deux. On est deux à... 3 à 4. 3 à 4. Et bah, 5 à 7, pas suivi, y a rien qui vous paraît suspect. Et d'autant plus suspect. Désolé. Bah, une fois qu'on est au studio, on vous laisse repartir. Et puis, bah, on se contacte par radio régulièrement, histoire de être sûr que tout va bien, quoi. Bon, a priori, vous, de votre côté, ça ira, quoi, mais... Moi, je reste avec Lynn au studio, alors, et puis les trois autres vont faire un tour au festival. Alors. Bah, non, avant d'aller faire un tour au festival, il faut qu'on organise des choses. Hein. Enfin, c'est pas direct au festival. Ok, bah, qu'est-ce que vous voulez faire organiser exactement ? Parce que... Bah, contacter les organisateurs déjà pour pouvoir organiser tout ça. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller au festival pour ça. Avoir des plans des lieux, des trucs comme ça, ça on les aura pas forcément au festival. Bah, des plans détaillés en fait pour assurer la sécurité, ça c'est pas au festival qu'on les aura. Je pense. À moins qu'on arrive à rentrer au sac, enfin qu'on arrive à avoir la sécurité, mais 99% du temps les PNJ nous envoient chier quand on demande un truc. Donc. Je rappelle que le festival ça fait 2 jours qu'il est en route. Hein. Bah oui, ils auront autre chose à faire en fait. Bah l'organisation aussi en fait. Donc il faut trouver la bonne personne dans tous les cas. Voilà. Soit au téléphone ou en te déplaçant physiquement. Mais il y a plus de chances que ce soit physiquement que tu aies des. Ce sera plus facile physiquement, oui, c'est sûr. Si on va voir quelqu'un, on monte nos plaques, on fait voilà, bonjour. Je dis ça pour pas vous faire perdre voilà. De temps, mais si tu vas, je suis d'accord. Ouais. C'est côté... sûr qu'avec Denis, c'est plus facile physiquement. Ça aurait été quelques jours avant l'événement, ouais, genre. Clairement, au téléphone, ça aurait suffi, mais là, pour le coup, pendant l'événement, il va falloir se déplacer. Parce que les équipes de sécurité, elles peuvent. Bah, sont déjà en place, en fait. Bah oui, c'est ça, donc après, aller leur parler, c'est pas ça va pas les gêner, quoi. Surtout si vous y allez à 9h du matin, quoi. Je pense que le festival, à 9h du matin, ça va, quoi. Ah bah, de toute façon, le festival, ça commence souvent fin de matinée, début d'après-midi, quoi. Réellement, les projections et autres. Vu que, de toute façon, la soirée finit à 3h du matin avec 15 grammes d'alcool... Et de coke. Et de ligne de coke, donc forcément, oui, à 9h du matin. Après, si l'équipe de sécurité est professionnelle, normalement, eux, ils ont pioncé. Mais c'est, enfin, je veux ça dire, ça c'est bien marrer de faire ça. C'est comme à Eclipse. Si tu veux monter un truc avec la sécurité à Eclipse, tu peux y aller n'importe quand. Je veux dire, les mecs de la sécurité à Eclipse, ils sont toujours là. Hein. Les orgas, à 2h du matin, il n'y a plus personne. Quoi. Mais, c'est normal, ils dorment. Hein, mais... Alors, donc, je vais résumer. Il y en a qui vont aller au festival. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire autre chose qu'aller au festival ? S'il y a d'autres coups de fil à passer qu'au festival même. Je considère que vous pouvez vous annoncer, mais...
Bah ouais, mais ça on fait ça sur le chemin en fait. Bah je me doute, c'est pour ça. Parce que là, vous voulez qu'on soit les trois au festival en même temps ? Bah, en tout cas, mais après les autres. Bah... Ça me semble pas déconnant parce que c'est un endroit assez grand, je pense, je suppose, donc ça fera plus Dieu pour vérifier entrée-sortie. Personnellement, plus il y a de monde au festival, plus je considère que s'il se passe quelque chose le lendemain, vous connaissez les lieux, en fait. Plus vous passez de temps dans la journée au festival, plus vous connaissez les lieux et plus simple c'est pour vous de vous orienter la veille. Enfin, le lendemain, s'il se passe quelque chose, hein. Pas trop, ça ne se passera rien. Une fois là-bas, il faudra regarder tous les points d'accès, les sorties. Bah voilà, si on aura plus de facilité et plus de rapidité à couvrir tous les angles de la question que si t'as qu'un seul connard qui s'emmerde comme il peut. Quoi. Après, est-ce que si vous êtes trois, vous faites trois groupes de 1 ? On sait jamais, ouais. Hein. Tout peut arriver. Peut-être avec des micros. Le fameux trois groupes de 1. Ouais. Faites attention si le projectionniste se fait assassiner. Hein. Et il peut y en avoir un avec un près de l'acteur et deux autres qui sont en groupe de 2. Enfin, pour. Oublie, l'acteur, il est pas au festival là. Le festival. Pas encore. On l'accompagne. C'est demain. C'est demain la cérémonie où il sera. Là, vous y allez en amont pour préparer. En fait. Ouais, bah à ce compte-là, on peut. On peut faire un non. Je sais pas. C'est juste moi qui vous fais flipper en fait. Bah, je pense que oui, parce qu'il y a des joueurs qui savent que je suis grand-chose à perdre. Max, tu te souviens ce qui s'est passé quand on avait deux groupes de 1? Moi, je m'en souviens bien. Hein. Non, justement, tu t'en souviens pas. Tu t'en souviens pas, justement. C'était un peu piquant. Tu te souviens juste de ce que tu as eu après, mais c'est de ta faute, hein. C'est toi qui t'es éloigné. Donc. Ta part s'en souvient quand même. Mais. Et puis les cauchemars aussi, tu fais. Alors, maintenant qu'on a une vie après la mort et que on va devoir payer un jour ou l'autre. Pour votre gouverne, moi ça ne dérange pas de faire le tour du festival tout seul et puis faites un groupe de 2 avec Max et. Tu sais quoi, avec mon arme chargée à blanc, je te tire dessus quand tu dis ça. D'accord. Si tu colles une arme chargée à blanc contre le crâne de quelqu'un, ça peut le tuer. Non, mais. Oui, non, mais c'est un truc de théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de balle en fait qui part. Oui, mais une balle à blanc non plus, il n'y a pas de balle qui part. Oui, mais avec la déflagration, en fait. C'est juste le bout de plastique qui est à l'avant qui part. Oui, mais c'est justement. Balle. Quelque chose qui part, si tu veux, il y a un projectile. Mais bon, dans tous les cas, tu tires dessus au milieu du tournage ? Non, mais c'est pour le... Je le menace de lui tirer dessus à balle à blanc s'il continue à sortir son discours qui sort tout droit d'une secte. On est d'accord. Non. Je regarde de plus en plus d'avoir réussi à le sauver, tu vois. À chaque fois que j'entends dire ça, je fais oh putain, est-ce qu'on l'achève ? Non, mais c'est bon, voyez-vous les yeux, et puis. Mais bon, voilà. On a pensé à le faire examiner, parce que depuis qu'il a commencé à voir la dame blanche, il est de plus en plus religieux et taré, donc est-ce que ce serait pas mal de faire. Ouais, mais le truc, c'est que tu fais un mauvais coton, et puis. À un moment, je pense qu'Emily, elle va te brûler pour hérésie. Voilà. Ça serait intéressant de faire une émission de télé entre vous deux en débat théologique. Ouais, puis nous regarde. Ouais. WP88 est prêt à sponsoriser le truc. Et voilà. L'existence du paradis catholique, vérité ou supercherie. Moi ouais, j'ai vu South Park, c'est les Mormons qui ont gagné. Je reste sur la physique quantique. J'ai la référence de l'épisode, c'est moche. Bon, bref, donc pendant que Lynn et Juan sont dans les studios, qu'est-ce que vous préparez les gens ? Ben, moi je vais aller voir la sécurité. Est-ce que et je pense que dans le excusez-moi, dans le salon on va faire patrouiller Clyde et Denis pour qu'ils aient un maximum d'angle de vue et de choses comme ça et voilà. Ok. Oui, de toute façon on est obligé de passer et par la sécurité pour demander un accès. Ok, vous allez là-bas. Les deux autres. Ah bah, Lynn tourne ses scènes et moi je reste avec un œil tel l'œil du faucon. Ok, et bah l'œil de faucon, il va me faire un jet de sang-froid, s'il te plaît. Et je te dirai après pourquoi. Ah mon dieu, de sang-froid pur et dur. Ouais,
Je veux dire, t'as pas de compétences psychologie, donc... Après, je veux dire, tu es psychologie à 6. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est pas pour t'analyser, en fait. Ah. Et ben, je t'annonce 4. 4 réussites ? Ouais, je reste okay. Dans sang-froid. J'y viendrai après. Lynn, oui ? Du coup, mes scènes, moi, c'est le matin, c'est le soir, c'est l'après-midi... Les deux. T'en as toute la journée. Ah ouais, c'est grosse journée pour moi, quoi. Ouais. En gros, c'est majoritairement des scènes en duo avec l'acteur. Et il y a la scène de mort où il doit pleurer sur ton cadavre avec la nana qui pleure sur ton cadavre. Avec grosse émotion, etc. Alors, d'accord. Évite de mourir à la Marion Cotillard parce que ça fait encore débat. Hein, mais bon. Ça fait pas débat. Hein. Tout le monde trouve ça pourri. Hein. C'est assez unanime, en fait. Hein. Ah, mais vous savez qu'a priori, c'est un réalisateur qui a... Ouais, ouais. Il a voulu la faire chier. Ah, la faire chier, je sais pas, mais qui l'a dirigé, a priori, ouais. Mais bon. Dans bref. Tous les cas. Donc, il commence par la scène de mort. Donc, tu passes pas mal de temps en maquillage pour te préparer. Ouais. Et on t'explique que tu te reçois 2 balles et tu te prends un couteau dans le bide après. Je comprends maintenant pourquoi le jeu de voilà, sang-froid. C'est pas toi qui morphose, c'est ton collègue. Mais oui, quand tu parles comme ça, c'est, tu parles toujours dans le monde du cinéma, là, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Donc tu me fais un jet de social pour jouer la scène en fait, mais tu le fais en éloquence pour le coup, hein. Charme éloquence. Mais éloquence. Bien que le couteau et le truc, c'est pas des vrais quoi, hein, c'est du faux de chez faux. Là, écoute, la fausse lame non émoussée qui, enfin totalement émoussée qui rentre dans le manche et tout. En fait, tu vois qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui sont vrais, en fait, mais émoussés, et d'autres qui sont faux, en fait. Et ben justement, je... Dépense un point d'ancienneté. Okay. Ça fait combien ? 0 ? Non, il fallait faire plus. En gros, ça va pas. La scène, ça va pas. On recommence plusieurs fois dans la matinée. Tu joues pas très bien. On n'y croit pas. Comment s'appelle l'acteur qui est avec toi et qui te donne des conseils. Tu me refais le jet avec 2 dés de plus sous les conseils de l'acteur. Mais vous perdez du temps. Genre, il te dit de fixer un point au loin. Excusez-moi. Bah, de toute façon, on va la faire 25 fois. Hein, mais c'est ça. Un moment, hein. C'est un peu l'idée, ouais. En même temps, c'est vrai que Lynn est plus habituée à buter qu'à mourir, hein, clairement. Donc, Oui, pourtant, elle en a vu des gens mourir. Elle pourrait quand même jouer la scène. Toujours de l'autre côté. Tu vois, c'est toujours vers l'arrière. Moi, là, c'est moi qui tombe de ce côté-là. Elle est obligée de faire une révolution copernicienne. Elle est obligée de se mettre à la place de ceux qu'elle tue. Quoi. C'est pas simple. Mais toi qui as de l'expérience, tu veux pas lui montrer comment ça se passe? Toi, tu n'es pas là. mais c'était assez bon. Non, mais c'est vrai, je peux demander. Hein, je peux te donner des conseils, hein, en effet. Tu vois la lumière. Combien tu veux de succès, parce que... Deux, juste deux, en fait. Ah, bah dès que j'en ai un, je demande un point d'ancienneté, puis on est bon. Hein. Voilà, je peux m'emmerder. Hein. Bah, bravo. Bah là, t'avais fait un, donc c'est bon. Ouais, enfin, j'ai mis 2G hein, pour y arriver. Ah ouais, je sais. Bon, clairement, ça passe dans la douleur, hein, mais tu sens que bon, le réalisateur est agacé, le producteur est là, qui est en train de pester sur le réalisateur qui a embauché une stagiaire, quoi. Bah oui, mais bon, de l'autre côté, les scènes où je suis flic, elles vont être criantes de vérité, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut... C'est un peu aussi ce que te dit ton collègue, que je dis, bon, faut pas que tu te trompes dans cette scène, mais t'inquiète pas, les autres scènes, y a pas de soucis. Bah oui. Pendant ce temps, au festival. Ouais. Considère que vous êtes devant le chef de la sécurité pour expliquer le pourquoi du comment du parce que. Bon, on m'a expliqué la première fois, vous pouvez me réexpliquer là, j'ai pas tout compris. Vous êtes flic et vous êtes aussi invité, c'est ça? Excuse-moi, j'avais mis que j'étais AFK, je croyais que tu avais vu.
Ah non, j'ai pas entendu. Alors, bonjour, nous sommes des officiers de police et oui, nous sommes en mission de protection et nous voulons assurer la sécurité de la personne que nous protégeons et nous avons besoin de discuter avec vous à ce sujet. Et oui, certains d'entre nous sont présents sous couverture et doivent être, enfin, sont considérés comme des invités. Non. Ok, et en fait, vous voulez des passes juste de bodyguard, en fait, c'est tout? Bah oui. Bah, on veut aussi des plans des locaux, entrées et sorties, des règles de sécurité mises en place. Alors, les plans des locaux, il te dit, bah, il va te filer un double des plans de feu, en fait, hein, d'évacuation. Oui, bah, c'est déjà mon début. Hein. En même temps, il va pas avoir autre chose sous la main. Hein. Les badges de bodyguard, ça permet de se déplacer librement dans le bâtiment ou pas? Pas complètement. Et les badges de flics? Tu peux pas aller. Badge de flic, c'est pas à propos, quoi. Badge de flic, ça a créé des rumeurs et ça a créé une ambiance de merde et c'est pas cool. Ça te permet de transporter Whitney Houston dans tes bras. On peut pas avoir des badges plutôt qui nous laissent libres. Alors, est-ce que certains des membres de la sécurité du bâtiment ou au moins un pourraient accompagner nos hommes pour faire une pendant que moi je continue à observer les plans tout ça pendant que eux ils font. Vu l'heure, pas de soucis. Quand vous êtes venu le matin, vous serez venu l'après-midi, ça aurait pas été la même. Mais en matinée, pas de soucis. Okay, mais je pense pas que ce soit une si bonne idée que tu restes séparé avec les autres. Fais le tour aussi, hein, je pense que c'est le mieux. Hein. Oui, bah ça, pour l'instant, de toute façon, là, on n'a pas forcément besoin de rester. Dans tous les cas, le mec. Les trucs tout de suite. Et vous faites un petit tour. Sécurité, enfin, je lui demande, avant qu'on aille faire un petit tour, je lui demande pour la sécurité, tout ce qui est caméra, tout ça. Bah, il y a quelques trucs. Alors, il te dit clairement le festival, c'est plusieurs cinémas, mais le gros là où il va y avoir le truc, certes, il y a une sécurité qui est renforcée, particulièrement parce qu'on a pas mal de VIP. Mm-hmm. Bon, je donc, en gros, ils ont une demi-armée de vigiles qui gardent de dehors et de dedans, en fait. C'est-à-dire, ils vont vous filer des passes, et sans ces passes, tu passes pas les mecs. Ok. Et ils vous disent qu'ils ont fait appel à trois sociétés de sécurité privée qui ont chacune, en fait, en gros, leur lieu, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est pour l'extérieur, une qui est pour l'intérieur, une qui est pour le carré VIP, en gros. Ouais. Celle des Old Ones, je demande... des Néo-Corléonais. Voilà. Plus quoi. La mafia russe, histoire de faire bonne mesure. Ça serait marrant. Bah, du coup, alors... À titre, enfin, les yakuza à l'intérieur et les Russes en carré VIP. Ok, voilà. Majoritairement, en fait, c'est que des la société. À chaque fois, en fait, derrière, c'est Castle SA. Hein. C'est elles sont toutes, elles viennent de Castle SA, en fait. Ouais, mais c'est pas la même société parce que elles ont pas en fait la même clientèle, en fait, c'est tout. Il y en a une qui va vraiment être VIP, l'autre qui va être pour gérer des foules à l'extérieur, quoi. Ouais, d'accord. Oui, tu gères pas de la même façon des VIP. C'est ça. Oublie pas de poser une question importante. Est-ce que les hot dogs sont sanglants? Heureusement que t'es pas là. Hein. C'est triste que tu sois pas là. C'est dommage. Dans les infos supplémentaires que je demande, du coup, c'est les bâtiments autour, ils sont surveillés ou pas? Bah, les bâtiments autour, c'est-à-dire tireurs, choses comme ça. Majoritairement, l'extérieur, il y a une société de sécurité privée, et il y a aussi la police de Los Angeles qui s'en occupe en partie. Donc, c'est plutôt le côté police de Los Angeles qui s'occupe de ça, pour le coup. Ok. Bon, parce que lui, il a pas le droit d'aller investir des bâtiments autour et aller voir ce qui s'y passe, quoi. C'est hors de ses attributions. Bah, il peut mettre des snipers sur son building à lui, hein. Bah, clairement, si c'est la question est là, oui, il y a des gens sur le toit avec des jumelles qui regardent ce qui se passe. D'accord. Serait possible, au moment de l'événement demain, de potentiellement être en contact avec la sécurité? Bah, de toute façon, vous êtes vu ce que vous avez dit, vous allez vous filer les radios, en fait. Hein. Ok, ça va. Cool. Ok, du coup, on a le plan des lieux. Je demande le timing, enfin les horaires, enfin le... Le schedule, j'ai planning. Oui, bah oui, on te le file. Avec tous les horaires, qui rentre à quelle heure, etc.
Alors ils te disent par contre, bon, c'est comme c'est une émission télé, certes, ils ont leur propre le planning de l'émission en elle-même, c'est-à-dire ce qui se passe sur le plateau, on leur a pas filé à eux. Tout ce qu'ils savent, c'est qui doit rentrer à quelle heure normalement. Okay. Demande après, si les jumelles qui sont sur le toit sont à coup par coup ou par rafale. C'est déprimé, ouais. Ils n'ont pas le droit d'être avec des fusils d'assaut pour surveiller leur événement. Si, complètement. Bon. Maintenant, si tu poses la question, il va dire non. Non. Pour le coup, ils ont pas prévu de fusils d'assaut. Ils ont des armes de poing, pas tout le monde. Mais Kazafa avait des fusils d'assaut de la mort qui tue pour protéger le building, le Chris Building. Hein. Mais c'était. Mais il y avait des choses intéressantes dedans. Vu que c'est eux qui les créent, de toute façon, c'était leur fusil de base, tu vois. Il t'a dit une information super importante. Il t'a dit que normalement ils ont des armes de poing. C'est-à-dire que n'importe quel mec de la sécurité qui est un peu starbé peut utiliser une arme de poing. Est-ce qu'il y a... Oui, bah du coup, est-ce qu'il sait. Est-ce qu'il a des infos sur les populations protectrices du bâtiment et de l'événement? Alors, reformule ta phrase en plus clair. T'as les dossiers des connards qui font la sécu? Oui. Oula, c'était quoi ça? C'est moi qui essaye de pas éclater de rire quand je bois. Oh la vache. D'accord. Ok, c'était très bizarre. Hein, ça venait pas d'une bouteille, ce bruit-là. Non, ça venait pas d'une bouteille, ça venait de mon gosier qui essayait désespérément de garder le liquide dans la bouche et pas le faire partir. Titre. Ah, ça sent le drogue m'énerver. Oh la vache, avec Obi, on a tellement été synchro. Ouais. Le roi énervé, ça a l'air encore plus sale que le dragon énervé. Je veux pas dire, mais... Ah, c'est moche. Ok. Bref, je demande des dossiers. Oui, il a la liste des gens qui sont censés venir. C'est-à-dire, enfin, que ce soit les invités, que ce soit les comment ça s'appelle, les gens de la sécu. Il a une liste complète, et il a la liste des remplaçants. Ok. C'est-à-dire, s'il y a un problème, les remplaçants sont forcément sur cette liste. Si c'est pas sur cette liste, il laisse pas rentrer. Il y a pas moyen de rentrer. Ok, bonne nouvelle. Je peux avoir la liste? Bah oui, il te l'a filé. Ok. Bah du coup, on va étudier ça. On a le plan de milieu, on a la liste. De toute façon, il te dit, hein, c'est un événement public. Hein? Non, je suis en train de réfléchir à ce qui nous manque. On a le plan des lieux, la liste des machins. On va avoir le nom de l'assassin. Des lieux. Ouais, lequel d'entre vous avez empêché pour assassiner l'acteur? Bah écoute, il est là. Ah, j'aime des enquêtes. Il se déplace que à moto. Ah, WP98, c'est ça, ou 88, un truc comme ça? Voilà, les oreilles de Lynn viennent de siffler. Ok. Donc on va faire le tour des lieux aussi. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Parce que le MJ te donne tout. Trop facilement. Ouais, ce qui est extrêmement louche, soit dit en passant. Est-ce que le festival a reçu des menaces particulières ou des choses comme ça liées Pas plus que les autres années. On savait des menaces chaque année? Bah oui. Parce que tel ou tel film va passer, parce que tel ou tel acteur polémique vient, entre les menaces de mort sur des acteurs, entre les menaces de faire péter le festival parce que c'est un truc capitaliste. En termes de menaces, ouais, il y en a une chier. Ah ouais. Et en même temps, au vu du nombre de détraqués qu'il y a à Los Angeles... Finalement, c'est pas si grand que ça. C'est pas si élevé que ça. Vous aussi, vous trouvez que Los Angeles a une légère proportion à attirer les détraqués, les tueurs, etc. C'est dingue. T'es sûr de vouloir parler des détraqués, toi? Parce que je te rappelle ton état d'esprit global de ces derniers mois. Je te signale que t'es en train de parler tout seul à quelqu'un qui n'est pas là. Donc oui, en effet, j'imagine en train de parler des détraqués. Sèche de gueule. Bref, demande à tes collègues s'ils ont pas une idée peut-être. Ouais, bah du coup je me tourne vers Clyde et Denis, leur demander quels angles je loupe. Non, moi tout ce qui, le seul angle que je loupe, c'est que moi je vais faire un tour dans la matinée là dans les locaux pour me familiariser avec les accès et tout. Repérer peut-être des points sombres qui ne sont pas forcément vus par tout le monde et pas surveillés, et des trucs comme ça. En fait, s'il y a deux choses. La première, c'est il y a des chiens pour surveiller les lieux. Alors, dans le bâtiment, il n'y a pas des chiens. Par contre,
aux entrées comment s'appelle du personnel et des techniciens, il y a des chiens de la police pour le coup. Ok. D'ailleurs, je demande une accréditation pour Aria aussi. Oui, oui. Moi, je proposerais aussi de voir si on peut pas avoir. Il y aura des employés, je pense que si c'est une cérémonie. Oui. Il y aura sûrement un genre de tablé avec des serveurs. Avec un... On peut pas avoir la liste de tous ceux qui vont être là en tant que. Bah, eux, ils ont une liste. Comme je dis, ils ont une liste, ils vous la fournissent. Des gens qui sont censés rentrer par l'entrée de service, ils ont une liste de personnel. Voilà, qui doivent être serveurs, tout ça. Ok. Parce que je voudrais bien les passer au central possible. Oui, bon, j'avais pris le nom des gardes du corps et des invités. Bon, donc après, je pense qu'on est à peu près là sur 400 noms, hein, déjà. Si c'est pas... Attends. Le nombre de places assises plus les serveurs, ouais, on est plus sur presque un millier de personnes. on va faire un putain de jeu d'informatique et ça va aller mieux après. Sachant qu'en plus, il y a les remplaçants, les trucs, enfin... ils sont tous sur une liste numérique et ils cochent. On aura le droit de visiter le studio lors du tour. Alors, de toute façon, le studio, c'est-à-dire. Bah, vous avez parlé d'une émission de télévision. Oui, dans le cinéma, en fait, dans la grande salle de projection. Hein. Il va avoir un peu de sec pour les remises de prix, en fait. Tu peux le visiter. Aujourd'hui, il y a justement, il prépare pour demain, donc il n'y a pas de projection, donc tu peux visiter, mais il y aura des techniciens. Et par contre, si tu parles du studio dans le sens là où ils enregistrent, c'est un gros camion qui est à l'arrière. C'est trois gros camions à l'arrière. Et tout ce qui est caméra de sécurité, on peut y accéder ou pas ? Au PC sécurité. Elle couvre tous les angles ? Enfin, tous les bâtiments ? Non, tous les... non, le bâtiment est vieux, ça couvre pas tout, et c'est pour ça qu'on a pas mal de personnel. Okay. Pour pallier au fait qu'on peut pas couvrir tous les angles avec les caméras. Et après, il vous dit, mais vous êtes déjà venu à une organisation d'un festival comme ça ? Parce que, à partir du moment où il y aura plein de monde, de toute façon, on sera dépassé. Oui, mais c'est pour ça qu'on essaie de couvrir un maximum les angles avant, okay. Histoire de pouvoir... Du coup, moi j'ai deux questions. Je suis pas là, mais est-ce que il accepterait d'avoir un flic dans le PC sécurité avec les caméras? Et deux, Chouba, est-ce que parking, tout ça aussi à regarder? Voilà. Juste pour avoir un plan d'évacuation d'urgence carré, quoi. Oui, parce que pour avoir un véhicule d'urgence, si tu le prévois pas avant, tu l'as pas. Hein. Ouais. Oui, du coup, je lui demande pour un accès parking pour qu'on puisse avoir un véhicule. En gros, déjà, ça l'emmerde. Parce que vous arrivez un peu après la guerre. Ça bouleverse un peu son organisation. En fait. Oui, clairement, il vous dit vous allez vous garer là où il y a les comment s'appelle les trucs de la régie vidéo, mais sous réserve qu'il n'y ait pas un producteur qui ait pris la place, quoi. Donc si vous voulez la place, je vous conseille de la prendre aujourd'hui pour demain. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser justement. On prend un véhicule, on met tout de suite. On est venu à deux voitures là ou pas? Vous êtes venu à deux voitures. Des voitures de police, enfin de cops ou... À vous de voir. Après, si c'est juste faire un aller, poser une voiture pour en prendre une autre. Que si je suis une avec la mienne, je peux laisser la mienne. Comme vous voulez. Alors, moi, dis pas que ta voiture va se faire tirer dessus s'il y a une attaque. Ouais, je sais. Une Porsche 911, c'est pas le plus discret, si tu veux. Elle peut évacuer quelqu'un. Oui, et puis c'est mieux d'avoir une voiture à 4 places. Hein. Donc, personnellement, s'il faut qu'on aille chercher une intercepteur, on ira chercher une intercepteur. Et puis après. Je me permets, si c'est une voiture marquée police, souvent il n'y a personne qui va se garer. Ouais, c'est vrai. Étonnamment. À moins d'être très très con, tu bloques pas la sortie d'une voiture marquée police. Il faut prendre une intercepteur à ce coup-là. C'est ce que j'ai dit. Une intercepteur, vous allez des papiers à remplir, hein, les gars. Ah, si vous voulez une intercepteur, c'est une voiture de la routière. Oh. Mais... Tu prends une noire et blanche bien marquée police, tout ça, voilà. Tout ça, et ça sera bien. 4 places, enfin 5 techniquement. Légèrement blindé. Pour le coup, prendre un intercepteur pour là, et c'est 2 places à l'intercepteur. Ah, c'est 2 places à l'intercepteur. Sans odeur de vomi. On laisse Aria dedans, histoire qu'elle ne soit pas piégée ni volée.
Non. Ils vont casser la vitre pour sauver le chien. T'sais. On laisse Denise dedans, histoire qu'elle soit pas volée ni... Oui... Il n'y a rien pour surveiller Denise. Il n'y a rien pour, surveiller, pour me surveiller, donc voilà. Donc, va bien. Je compte sur Aria. Ok. Donc, vous voulez laisser une voiture de police là, ok. Il y avait autre chose que tu... est-ce que tu poses la question qu'Obi a posée sur est-ce que des flics dans le PCCQ? Ouais. Bon, tant qu'ils gênent pas, en fait, eux, leur propre problème à eux, leur problématique, tant qu'il fait pas chier, en fait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il te dit clairement, il se réserve le droit de sortir le flic s'il est incontrôlable. Et il te parle de que c'est déjà arrivé avec des flics qui, dans un PCCQ, se croyaient comme à la maison. Ouais. Le cops n'est jamais incontrôlable. Bah, de toute façon, l'idée, c'est pour faire le relais des caméras vers les mecs qui sont sur le terrain, quoi, entre guillemets. Dans l'absolu, tu sens que le mec, en fait, il vous tient professionnellement, mais l'expérience qu'il a eue à chaque fois de flics qui étaient là, c'est que c'était une corvée pour eux et qu'ils en foutaient pas une. Et que c'était plus des boulets qu'autre chose. Donc, Je demande s'ils ont été contactés par l'Hydra. Pourquoi ? Bah pour la sécu de Isabelle Ping. Ah oui. Oui, on pose la question, même si elle vient d'une personne qui n'est pas présente. Bah, c'est vrai. Bah, pour le coup, ils vous disent que. Alors, déjà, hein, ils vous disent c'est quoi ces questions ? Pourquoi ? Vous êtes flic ? Bah, oui. Mais oui, clairement, ils savent qu'il y a une personnalité dont les gens de l'Hydra ont prévenu, il y a de ça déjà quelques temps. Que pour avoir des accréditations pour faire garde de sécurité, pour être les gardes de sécurité de Madame King. Ouais, donc oui, donc de toute façon aussi on a entre guillemets de l'aide aussi à ce niveau-là, quoi. On peut compter aussi sur eux, quoi. Ils vont s'occuper surtout de leur oui. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est on sait jamais, quoi. Autre chose. Bah, t'es pas là, mais tu peux. Non, c'était juste comme ça. Juste pour dire je peux. Voilà. Bah, vas-y, bois ton verre. Là, comme ça, moi, je vois rien d'autre. Les gars voient rien d'autre... Ouais, on réfléchit, là. Ouais. Tu ne nous auras pas avec ton faux rire, là. Oui. Donc vous faites le tour du bâtiment accompagné par un mec de la sécu qui vous fait tous les points d'accès, puis qui vous montre où sont les checkpoints. D'ailleurs, il y en a une bonne partie qui sont déjà en place, en fait. Hein. Prenez des photos pour nous, hein, pour nous les montrer après. Hein. Donc vous passez une bonne partie déjà de la journée à faire ça, plus à voir un petit peu, à chercher des endroits un peu suspects. Ouais, écoutez, perception en 5 flics. Ouais, par contre, on se comporte pas comme des connards, enfin... Bah, oui. Ça, c'est pas ce qui s'est passé jusque-là, donc je pense que c'était du principe que... c'était que, voilà. 4 succès. Ok. 5. Putain, on est chaud aujourd'hui. Pas Torgen. Torgen, non. C'est comme dernier coup, moi. Je vois que des données. Il est impressionné, c'est tout. Ça. Clairement, bon, vous dénotez un peu. Hein. Les gens vous regardent passer, parce que bon... Il n'y avait pas de flics jusque-là qui étaient venus dans le bâtiment. Tout. Je ne parle pas de la sécu, hein, je parle des techniciens et autres. Mais en soi, ça se passe bien et tout le monde a l'air de bosser sans vraiment... Enfin, ça n'a pas l'air suspect, quoi. On dirait qu'ils préparent une émission de télé. Quoi. Bah, je ne dis pas que ça sent pas le gigeon. Hein. Ou l'aide d'égalité. Hein, mais, on ne dit pas qu'il n'y en a pas un ou deux qui jettent tout d'un coup un truc sur une assiette pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Tu vois, enfin, je veux dire, voilà, genre le mec qui se met à se moucher tout d'un coup alors qu'il a un peu de farine sur le nez, enfin bref, mais on n'est pas là pour ça, donc... Yeah. Mais en termes de sécurité, le dispositif, il a l'air sérieux Oui. Il a l'air rodé et sérieux. Et je suppose qu'il y a pas, au final, il n'y a pas beaucoup de trous dans leur truc, quoi. Ah, après, c'est toujours pareil. À partir du moment où, je veux dire, les mecs, ils ont une liste, ils n'ont pas le visage de chaque gens qu'ils contrôlent. C'est-à-dire, le mec, s'il arrive à prouver avec une fausse carte de... Enfin, le dispositif n'est pas carrément pas infaillible. Ah oui, non, oui. Mais je veux dire, au niveau de ce qu'il couvre, en dehors des potentiels de fausses cartes ou de mecs qui sont un peu entraînés et
Enfin, je veux dire, déjà, il laisse pas beaucoup de portes ouvertes dans tous les sens. Non. Voilà. Enfin, il... le gars, le kidam moyen qui a pas préparé son coup, clairement, il passera pas. Par contre, le mec a préparé son coup depuis un moment. Ouais. Il y a, disons que vous repérez plusieurs failles, quoi, clairement. Genre Artus 1, 2, 3, quoi. Celui qui a 25 scénarios. Bah, lui, cherche pas, il est déjà dans le bâtiment. Hein. Je pense que c'est lui qui a fait l'accueil, en fait. Il est cassé dans le lustre du truc et vous l'avez toujours pas vu, tu vois. Mais ouais, donc clairement, oui, il y a des failles. Mais par rapport à. Disons qu'il faut vraiment préparer son coup pour rentrer, quoi. Avoir un minimum de préparation ou de technicité. D'accord. Parce que t'as, en plus de ça, une partie des badges d'accès. Ceux qui vous avez pas juste des passes, hein, vous avez des badges qui sont avec à puce quoi. Donc les parties style les caméras, les machins et tout. Sans ça, vous passez pas. Hein. Et le garde du corps de base normalement l'a pas ça. Denis, fais gaffe, Aria a un badge à puce. Je l'attraperai une fois rentré. Ah la vache. Bah sinon pendant ce temps en studio. Yep. Yo. Alors finalement elle a réussi sa scène. Ouais dans la douleur, mais elle a réussi. C'est comme la mort, hein. La mort ça c'est toujours dans la douleur. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ouais. On m'avait pas dit qu'il fallait être charmant quand on meurt. Hein. Non, il faut que tu fasses transmettre de l'émotion. Je vais t'en transmettre de l'émotion. Faut que tu fasses pleurer la ménagère, monsieur. Oh non. Je vais te vider mon chargeur d'émotion dans la tronche. Tu vas voir. C'est grave. Tu fais l'amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu baises les ménagères très bien, tu dois avoir le cul qui brille. Oh putain. Est-ce qu'on a rattrapé Tlon? Oui, t'inquiète. Donc, en soi, vous me faites juste un jet de perception instant de flic pour les deux qui sont qui surveillent. 3. Alors. Il y a quelque chose à voir. C'est Juan qui le voit. Donc, je suis en train de réfléchir parce que. Non, par contre, on vous annonce, on vous l'avait pas dit, mais on vous annonce qu'en fait, avant la cérémonie, il y aura une première soirée qui sera au festival, dans le bâtiment, entre professionnels du milieu. Je pars du principe que ceux qui sont déjà au bâtiment, on vous l'a annoncé aussi. Hein, vous avez eu le planning et vous voyez qu'il y a une petite fête en fait qui est faite avant le début du festival entre personnel du milieu. Quand je dis milieu, je parle bien de cinéma. Hein. C'est jamais. Hein. Faut mieux préciser. Bah, cette sécurité vaut mieux préciser, c'est clair. Moi, dans la journée, j'ai passé des coups de fil pour essayer de trouver de louer une robe de soirée. Un peu classe, quoi. Mmh. Tu vois, pas le truc qui fasse vulgaire, le truc qui va être un peu la classe, parce que potentiellement, c'est peut-être le début de ma carrière en tant que star hollywoodienne, tout ça. Écoute, t'as le choix entre une belle robe ou un ciré jaune. Non, ça va être une belle robe, mais... Dommage, ouais, le ciré jaune, c'est... du ciré jaune. Ouais, le ciré jaune dans Last Action Hero, pour le méchant, c'était pas mal, hein. Ouais. T'as auguré de mouvement social. Tu étais prêt à mettre combien de pognon? Bah, je sais pas, 1000 dollars. Ah ouais, ah oui, donc oui. Ah, carrément, oui. Bah, voilà. Et je te rembourse pas tout de suite, hein. Bah, pourtant, tu devrais, il vient de dépenser 1000 dollars. Bah, en même temps, si j'en gagne 20 derrière, ça va. Tu vois, bah écoute, si tu fais 1000, c'est pas tu passes par le comment ça s'appelle, t'es prêt à se mettre cette somme là, passe directement par l'acteur qui va passer par son agent pour avoir un truc un peu où t'auras pas besoin de chercher, quoi. Il va demander à son agent de te trouver quelque chose, quoi, à ce tarif là.
Après, tu vois, si c'est une maison de haute couture qui veut m'offrir une, me prêter une robe non, pour la t'es soirée, personne. Je prends. Hein, mais... Malheureusement, t'es personne, donc non. Eh, je suis la meilleure gâchette du LAPD. Oh. Oui, c'est ça. T'es connu par des gens soit qui s'enquêtent sur toi, c'est tout. Oh, ça serait rigolo de te faire un fan hardcore. Le truc est complètement glauque. Un fan hardcore qui alimente ton dossier dark web avec des images de toi, de préférence de la scène de nu. Ouais. Encore là-dessus ? Ouais, je. Bah, un fan hardcore, il va mettre toutes les images qu'il peut, surtout. Ça pourrait être rigolo. Dans tous les cas, ouais, clairement, ouais, on te trouve une robe. Mais moi, j'ai du coup baisé de façon fictive. La nièce de tonton Jason. Hein, voilà. Fais gaffe, il faut pas qu'il la prenne trop vite. Hein. Parce que tonton Jason, il va peut-être pas bien le prendre. Ah, je te sens à partir du moment où, s'il s'énerve, c'est le genre de gars à mettre un masque de hockey, donc ça va, ça va se voir. Ok, bah sinon sur le reste de la journée, il se passe rien de particulier. Je suis en train de vérifier. Tu repères encore une fois le gars Esteban Perella, ouais, qui va aussi encore dans la loge de la nana et qui ressort avec la nana genre une heure plus tard. Il est recherché, le gars. Il a un casier, mais il est pas recherché. Donc, il a purgé sa peine. Non, parce que s'il était cherché, je l'aurais coffré, tu vois, direct. Mais... Bah, normal. Ouais, bah... Je le montre à Juan. Ouais. Et je lui... Bah, Juan, je te dis, ce gars-là, il m'a l'air... pas très net. Très chelou, ouais. Très... Moi, je considère que vous faites tourner la photo du gars. Je garde particulièrement un œil sur lui Bah en fait, je sais pas si t'es au courant toi en tant que joueur, mais en gros c'est le pseudo petit copain de Maria, la deuxième actrice, enfin, l'actrice qui joue côté méchant. Ouais. Et voilà, et du coup il m'inspire pas ultra confiance, sachant que c'est un ancien criminel quoi, il a un casier. Et le casier il dit quoi déjà? C'était détention de drogue, revente potentiellement. Voilà, enfin, bon, c'est pas non plus le gagnant du mois, quoi, mais... Je m'étonne. Mais voilà. Donc le gagnant du mois, on l'a arrêté il y a 48, quoi. Bah, trafic de drogue, enlèvement d'enfants, c'est total. Mais... Ouais, les okay. Gagnants, c'était, je te rappelle, c'est un duo. D'ailleurs, dans ton rapport, je vois que vous dites que vous avez fait diversion. C'est très, très détaillé, quand même, hein. Ouais, attends, mais des temps de conversation, dis-moi plus sur ce type qui a l'air vraiment louche là-bas. Là. Mais voilà, et du coup, bah, écoute... je te dis que ça me paraît. Enfin, la nana, elle m'a l'air un peu, comment dire, un peu au-dessus de la moyenne pour fréquenter ce genre de mec, quoi. D'accord. Donc. Écoute, si tu veux, je garde un œil particulier dessus. Est-ce qu'il faut que je le colle, c'est-à-dire que même quand il se barre, je me barre et je te laisse seul, ou avec... Non, ça peut pas jusque-là, mais en gros, en fait, ce que je suspecte... du coup, on peut faire ce que je voulais faire la dernière fois. Quand il quitte la pièce avec la nana qui est partie de la loge, Juan, je te demande d'y aller. Je vais le suivre. Okay. De le suivre dans la loge, évidemment, éventuellement, en fait. Alors, de pas y rentrer quand il est dedans, mais essayer de voir, en fait, s'il baise ou si juste il se shoot, en fait. Pas de soucis. Je note. Et comme ça, ça nous expliquera un peu la vraie nature de la relation entre elle et lui. Parce que si c'est son dealer, ça me semblerait plus logique que ça soit son mec, en fait. Mais il a pas trop le profil pour être le mec, par contre le dealer en effet là ça colle pas mal. Je suis assez d'accord. Alors. Donc voilà, du coup, écoute, si tu me fais un jet de coordination discrétion. Ah voilà, que sympa.
À zéro, tu rentres dans le truc en disant « Pardon, excusez-moi. » Police. Et discrétion. Je cherche une geisha, vous l'auriez pas vu. Mais discrète. Bam. Ah ouais. Ah ouais, Ron, il rigole plus, là. C'est fini, hein. C'est... Je suis Batman. Est-ce que ça vaut l'aéroport ou pas? Ah oui, clairement... Mal, ouais. Ouais, ah oui, oui. Un beau 8, quand même, hein, c'est... C'était combien l'aéroport déjà? L'aéroport, c'est. Mais je crois que tu avais fait plus, t'as pas fait 9 quoi, carrément. Un truc c'est possible, ouais. Juste hallucinant. Il y a eu des... Ouais, je crois qu'il y avait eu un 9, ouais. Il avait fait un 9, c'était hallucinant. Mais, bon. Mais c'était un 9 en déguisement où j'étais pas très si bon que ça, donc du coup, c'était pour le coup assez. Donc, clairement, c'est tu tends l'oreille à la fenêtre, tu regardes. La première chose que tu vois, c'est que en effet, ils baissent bien ensemble. Avec ou sans préservatif? Alors, écoute, est-ce que avec le vide, je veux bien, mais est-ce que tu traces l'œil jusqu'à ce point-là pour voir? Non, quand même pas. Voilà. l'autre chose, c'est que ouais, clairement, ils font pas que baiser. Ils s'envoient aussi plusieurs substances illicites. Alors, j'ai pas le détail exactement de ce qu'ils consomment l'un et l'autre. Ouais, mais ouais, ils se C'est un peu joindre l'utile à l'agréable, quoi. Non c'est ça. C'est comme ça. Ok, bah comme ça, je refais mon rapport. Je repars une fois que j'ai eu tout ce que... J'en profite même, tiens, si je peux, pour filmer 4-5 secondes avec un téléphone portable. Comme ça, je pourrais montrer ça à... Écoute, avec un 8, si tu veux. Hein. Voilà. Tu te démerdes, ça. Donc, tu vois ça, tu filmes rapidement et tu t'en vas, c'est ça? Ouais, bah, exactement. Ok. Et comme ça, quand Lynn a une pause, etc., je lui montre rapidement la vidéo en disant « bah, en fait, c'est oui et non. C'est oui, non, c'est oui. Et non, c'est pas que du shoot. La preuve. » Bah, du coup, je pense que je vais aller la voir, la nana, et puis juste lui parler, lui dire que... je vais jouer la carte de l'amitié, tu vois, genre, est-ce que ça va bien, tout ça, tout ça tu sais, ton Rodrigo, des formations professionnelles, hein, j'ai tapé son nom dans Cops Google, il est pas super clean, quoi. Est-ce que t'es sûr que ça va? Bah, elle te fait, clairement, elle te dit, oh, je savais pas, écoute, moi je pensais que c'était un mec bien, je pense qu'il m'a menti, ouais, si tu me dis que ouais, c'est, je pense qu'il faudra pas que je reste avec lui, quoi. Elle me prend pour une conne, là. Bah, en même temps, ouais. C'est pas ce que tu sais, hein. Je lui sors le dossier, tu vois, pim, quoi, voilà. Je pense que t'es... Enfin, je lui dis, vous êtes une star du cinéma. Fréquenter ouais, mais... un mec, un petit dealer, au moins viser du gros dealer, quoi. Viser le patron de cartel, quoi, pas le mec de quartier, quoi, je veux dire... Elle te dit, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un bon coup, et il est pas cher. Non mais okay. C'est bon, tu connais des adresses, t'as des noms, tu peux la rencarder, quoi, merde. Nani? Alors, non. Moi, je connais une villa où... Ce que t'es en train de proposer, un réseau de prosténètes, là. Qu'est-ce qui se passe? Où c'est que ça a dérapé? Moi, je connais une villa au Mexique, pour pas très cher. Ils vous hébergent, et vous avez le droit de regarder à la fenêtre pendant 2 mois. Hein. C'est très très moche. C'est de bonne guerre, mais c'est très moche. Non mais bon voilà, bah, du coup, je lui dis que très bien, c'est son choix, mais que, du coup, le truc c'est que clairement elle dit que c'est compliqué. Elle en est pas amoureuse en fait ou si quand même. Bah tu sais pas trop en fait. Le problème c'est qu'elle joue quand même bien la comédie. Ouais. C'est une actrice. Le problème c'est que tu sais pas si elle est amoureuse, si c'est elle qui a l'ascendant, si ouais. C'est lui qui a l'ascendant. Enfin, tu sais pas qui, si c'est elle qui le manipule, si c'est lui qui a un ascendant. T'arrives pas à déterminer quel jeu qui domine l'autre dans cette affaire en fait. Je veux lui briser une cheville, ça va la calmer. Hein.
Mais clairement, tu la mets très mal à l'aise en lui parlant de ça, par contre. Bah voilà, après je m'excuse, hein, je dis que c'est pas mes oignons au final, mais que voilà, en tant que flic, ça m'a. J'avais juste ce point-là à éclairer. Je vais aller me calmer dans ma loge. Ouais. elle dit en fait au réalisateur qu'elle n'est pas disponible pendant 3 heures. Le mec, il s'est barré plus longtemps, hein, mais. Voilà. Et c'est ainsi qu'elle fait une overdose dans sa... à cause de Lynn. Ouais. À sa place dans le rôle principal. Ouais, mais j'ai pas une recrutée pour faire la méchante, moi. La méchante, on met l'épouse de Damasque. Parce que tu crois qu'il a une épouse. Bon, c'était sa nourrice avant, mais ok, voilà. Oh la vache. Parce que tu crois qu'il y a des gens assez désespérés pour se marier avec Damasque. Ah oui. Non, Damasque, oui. Il a été nourri au sein jusqu'à l'âge de 18 ans. Marc Dutroux était marié, hein, donc bon. Damasque, il s'amusait à ouvrir des portes en demandant si les gens volaient. What? Bah, il a été nourri au sein jusqu'à 18 ans. D'accord. Okay. Ah oui, ok, d'accord. Oh putain. Ouais. Ouais, la référence, hors du contexte quand même. Complètement. Ouais, c'est la référence, bon, ok quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je vais pas leur mettre la référence. C'est pas grave, Game of Thrones. Game of Thrones. Oh, j'ai ah, j'ai ok. Nous n'avons pas entendu ça. Après, bah, je continue ma surveillance. Eh ben, comme le chat, on revient le jour suivant. Enfin, sauf contre, le chat de la petite Mindy, mais voilà. Il n'est pas revenu le jour suivant. Mais... Bon, non, le chat, j'ai l'impression d'avoir 9 vies. J'aurais déjà grillé 2-3 là, mais. Te la mettre pas trop, on sait jamais. Hein. Un couteau, et c'est vite arrivé. Donc, vous avez autre chose à faire ou pas? On passe au soir. Non, passons au soir. Passons au soir, ouais. Enfin, je okay. Vais pas forcer la main pour les autres. Hein, mais... Les autres, est-ce que vous avez autre chose à faire après votre ronde, votre patrouille, votre vérification? On prépare les infos pour les voisins, on fait des recherches sur les 3000 personnes dont il nous a donné les noms. Ouais. Alors vous en faites une partie, hein. Vous n'avez pas le temps de tout faire. Et surtout, les serveurs, enfin ceux qui sont le plus près des acteurs éventuels, toi. Ouais. Bah ceux qui ont des noms de gens de couleur, quoi. Je crois oh que putain, j'ai mal. Je crois ça avec des habits d'essai récents. Des Charles, quoi. Écoute, faites-moi votre jet de... comment ça s'appelle, éducation informatique, ça m'ira bien. Ok. Regardez combien il y a de John Smith aussi. Zéro, mais il y a un seul John Doe. Ah bah ça veut pas être lui, il a donné un nom. Deux. Un succès. Ouais, Torgen et moi deux et Shuba un. Bah écoute, vous passez quelques heures dessus, vous sortez deux noms. Les autres, c'est pas qu'ils ont pas de casier, mais c'est que ça vous paraît pas probant. John Doe et Mickey Mouse. Il y en a un qui a 90 ans et qui travaille au nettoyage du truc, qui est un ancien criminel multirécidiviste et qui est sorti de tôle il y a de ça 6 mois. Ouais, mais 90 ans. Il a 90 ans. Voilà. Ouais, mais s'il fait de la musculation depuis le début, il est peut-être bien sûrement bien entretenu. Hein. Et l'autre, c'est le chef de la sécurité, c'est carrément le chef de la sécurité à qui vous avez parlé, qui, donc son nom, en fait, apparaît sur plusieurs affaires de où auraient été liés des Holwan. Jamais inculpé, jamais accusé, mais son nom est apparu dans plusieurs enquêtes. Ouais, on peut lui faire confiance, c'est bon. Un vrai mafieux comme il se... Après, j'ai entendu un ding. Faites analyser le plan qu'il vous a donné, voir s'il y a des empreintes, et
Et vous tracez toutes les empreintes sur toutes les affaires qu'on a depuis 5 ans. Voilà. Oui, non, pour le coup, ces empreintes, vous les avez déjà dans votre fichier. Et c'est bien les psyennes sur le plan. Plus, il y a des empreintes d'une autre personne. Un certain mec est décédé, un certain Guillermo, un ancien copse. Bah non, lui, il a pas touché. Je crois bien le SAD. Tu sais pas quand il l'a touché, c'est tout. Non, je plaisante, c'était juste pour le plan. Faites quoi ? C'est dommage, moi je voulais prévenir le SAD par rapport à ce mec mort. Que je crame les doigts de Rohan avec l'allume-cigare. Bref, je prépare tout le matos pour les voisins, enfin pour les collègues, pour qu'ils aient les infos aussi quand ils arrivent. Oui. Donc, de toute façon, il va falloir aller les chercher pour les ramener à la part du monsieur. Oui, vous avez une voiture de moins. Et en plus, il faut inspecter chez le monsieur avant qu'ils arrivent. Oui. Déposez-moi, je vais inspecter. Et puis vous repartez pour... Il fait un petit perception bombe. Alors c'est un instinct de flic. En fait, c'est instinct de flic que je fais. Vas-y. Tu le fais deux fois. Alors, une fois 4 et une fois 4. Voilà. Une fois 4 et une fois 4. Donc ça fait 4 et 4 que j'ai en perception. Écoute, tu trouves pas de bombe. Par contre, tu vois que le nouveau chat est déjà pris et poursuivi par le chien. Qui va sûrement gagner la poursuite. Je sauve le chat. Merci. Ouais, t'appelles le chien, quoi. Ouais. Ok. Tu veux pas essayer de l'éduquer en douce, rapido, ça... Ouais, si, je pourrais essayer, mais bon. Bah, si seulement t'avais un contact à la canine qui pourrait venir pour te rendre une faveur, une rester ce chien pendant une journée. Seulement. Un message subliminal et peu subtil se serait introduit dans cette assertion. Mais de mémoire, j'en ai pas. Ah, si, peut-être. J'en ai un. C'est celui à qui j'ai sauvé la vie de son babouin. Mais il y a de cela quelques temps. Ça serait mal de l'avoir en contact. Pour avoir des babouins à n'importe quel moment. Oui. Ça sert vachement des babouins. Une unité babouin, je vais encore aller au cac contre un babouin. Sachant qu'un babouin c'est plus fort qu'un humain, ouais, ça peut être pas mal d'avoir 2-3 babouins formés, mais dressés. Mais moi j'ai le contact d'une nana aussi, qui est pour le coup spécialiste des chiens, dans un grand zéro, ça paraît d'elle. Non. Mais techniquement, t'as fait ton dressage là-bas, donc tu dois en connaître c'est des dresseurs, quoi. Oui, j'en connais, je peux. Tu peux en avoir, c'est pas déconnant, faut juste dépenser les bons points. Ouais. Et puis même, je peux essayer quand même pendant qu'il est pas là. Ceux qui ramènent l'acteur, Eileen, vous me faites un jet de perception instant flic. Même les conducteurs. Tout le monde. 3 succès. Sauf Wedge, parce que il est pas avec vous. Ok, attends. Oula. Ouf, je vois pas grand chose. Ouais. Bon. Bah si, la route. Ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal. Sur la route. Clairement, vous êtes toujours suivi par une moto. Again. C'est la même plaque ? Ouais. Je peux faire une scène à la Final Fantasy VII ? C'est-à-dire, tu veux sauter de moto et lui donner un gros coup de... D'épée dans la gueule ? La tâtre ? Ouais. Lui couper la moto en deux ? Bah moi, je suis en moto, hein, donc du coup... Moi, je préviens, et puis faut vous voir ce qu'on fait. Là, il te manque l'appel à tarte, en fait. Ouais. La crosse de mon rigueur. Pas assez gros, mon fils. Oh, je sais pas. Pour couper la moto en deux. Ah non, pour couper la moto en deux, non, effectivement, mais c'était pour... du coup, de toute façon, je vais me mettre à côté du paparazzi, là, et puis, enfin, du motard, quoi. Mmh. Et je vais lui montrer que je suis flic, en fait. Ouais. Et qu'il va se ranger sur le côté. Non, il essaie de bifurquer. Tu lances une poursuite motard. Allez, vas-y. Il va y avoir la viande. 4D. Ouais, vas-y. J'ai combien en moto moi déjà? Non, alors c'est je qui te laisse annoncer.
Deux succès. Pareil. Allez, je vais être gentil. Ok, bah rien ne bouge. Deux et deux. Bah, et... Moi, je préviens les uniformes qu'il y a une course poursuite derrière, enfin, d'une moto. Je donne la plaque poursuivi, du poursuivant. J'indique que le poursuivant, c'est un. Oui, bah tu donnes tous les infos qui va bien. Ok. Lynn, tu continues à annoncer. Bah allez, je vais tenter 3. Ouais, reste sur 2. Ha ha! Ha ha! Ah! Techniquement, c'est perte de 3D là. Oui, bon bah du coup, j'arrête la poursuite. Mais, Si tu veux pas prendre des dés noirs, bien sûr! Ah, c'était moche, putain! Alors, c'est un très beau jet de dés, moi, je trouve. Alors en fait, ce que j'avais pas, c'est que j'ai un dé bleu sur le jet de moto. Alors du coup, je l'avais pas. Et donc techniquement, ouais, le changé en fait. Ouais, mais le tour d'avant, j'avais. Ah 3. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Mais... Bon, c'est pas bien méchant, coup, mais ça aurait pas changé grand chose parce qu'ils auraient. Oui, pas oui, 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 mais donc, je vais et juste. Clairement, ouais, le mec, il a l'habitude de sa moto. Alors, il est pas meilleur que toi, hein, mais il a l'air de mieux connaître le quartier, quoi. Donc, à un moment, il bifurque sur une petite allée. Le temps que tu reviennes sur l'allée, tu vois pas où il est parti, quoi. Oui, bah en même temps, voilà. Bon, mon but, c'était de le faire. Et là, t'as une voiture de police qui arrive devant toi et qui fait... il est passé où ? Je montre du doigt. Ah bon, on passe pas avec la voiture là-dedans. On monte pas du doigt. Bah, c'est pas grave. Il aura pas pris de photo. Après, je vais faire, c'est que je vais disparaître à la Batman. Je leur dis que c'est par là-bas, et au moment où ils regardent, moi je me casse. Voilà. Il est passé où ? Bah, facile, t'entends le bruit, la fumée, là, bah c'est là-bas. Non mais bon, voilà. Du coup, ouais, quand tu dis ça, je pense à Batmetal, moi, ça va pas bien. Hein. Non, attends, les départs à la Batman, ça marche beaucoup moins bien quand t'as pas d'angle de caméra et d'absence de son très complice. Oui. Mais voilà, du coup, tant pis, mais je l'ai mis en déroute, donc ça va. Retour à la maison. Non, mais faut que je me chauffe un peu pour les poursuites à la moto. Ouais, t'as raison, t'as un zéro. c'est ta tien, hein, mais il faut que je descende encore un peu, parce que 5, c'est pas encore... Il a exactement le même nombre... De D que toi, et bah oui, 4 D chacun, mais ouais. Il avait 5 aussi, donc c'était les... Si tu veux, je peux essayer de le pousser en bagnole, mais le problème non, c'est. Non, mais de toute façon, non, parce que toi t'es en train de retourner. Enfin, vous êtes en train de et retourner. Et puis le truc, c'est que Lynn revient, que tu te dis, tiens, Lynn, t'es passé où? Oui, c'est ça. Bah, tu m'as entendu prévenir qu'il y a une course poursuite quand même. Ouais, mais il a pas tilté que c'était votre voiture en fait. Voilà, moi j'étais à fond sur la route là, hein. Tu es avec mon jet de perception là. Mais bon, dans tous les cas, qui reste la nuit avec lui, qui va dormir ? Bah normalement, moi je suis censé faire la nuit. Uh-huh. Bah je vais dormir. Moi je vais dormir. Ouais, mais attends, en fait on a fait les cons, c'est que on a fait nos trucs là pour la sécurité tout ouais. Ça et tout et on n'a pas dormi en fait. Donc ça va être compliqué là pour le lendemain. Donc en fait ce qu'il y a c'est qu'on va se relayer, il va y en avoir un qui va rester éveillé. Il y a une chose que je vous ai pas dit, mais que. Attends, j'ai rajouté un truc. Il y a une chose que je vous ai pas dit, mais le lendemain matin, il n'y a rien en fait. Lui il reste chez lui en fait. On est en week-end quoi. Ah oui, il y a pas de tournage samedi matin et l'après-midi il va aller au festival en fait. Donc on peut faire grâce mat quoi. C'est l'idée. Enfin, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un là-bas pour pas qu'il sorte ou qu'il fasse une connerie, mais. De toute façon, je veux dire, vous pouvez dormir quoi. C'est pas très grave si vous fermez bien la baraque et puis vous mettez et vous lui dites de vous réveiller si lui se réveille quoi. Enfin, il faut quand même qu'on ait un qui saute debout quand même. Moi, je me réveille tôt, de toute façon. Ah, tu mets le chien. Bah, ils font des quarts. Chacun fait son quart. C'est ça. Si on fait des quarts, hein, ça sera plus simple. Hein. Donc, qui c'est qui reste dans la maison ? C'est pour ça qui m'intéresse. Ouais. Bah, elle a toujours la même équipe, quoi. Ok. Bah, les autres, vous avez pioncé, c'est ça ? Ouais. Ok. Lynn, t'as reçu un message du journaliste hein, qui te propose une qui demande à quelle heure on se retrouve pour aller au festival.
Je sais pas. Je sais pas si je valide en fait son participation. Il te dit qu'il aura un cadeau pour toi. Ah. C'est le côté greedy de, du personnage d'Opid. Non, mais s'il est galant et qu'il y met les formes, ok, quoi. Mais voilà. Mais je sais pas c'est à quelle heure l'invitation que moi j'ai. Bah toi techniquement tu peux y être comment ça s'appelle, de toute façon toi tu pourras y être pour le festival, l'émission va commencer quoi à 21h, toi tu pourras y être, tu y seras pour 18h parce qu'il y a une autre fête avant en fait. Oh bah 17h. Et il y aura une montée des marches, etc. Bah, enfin un équivalent quoi. Ouais, lui il va rentrer Bah, il veut qu'on se donne rendez-vous dedans ou dehors, d'avant, c'est ça? Bah, en gros, clairement, il dit ce qui t'arrange. En soi, lui, il pourra de toute façon, même s'il n'a pas ton invitation pour rentrer, il pourra rentrer d'une façon ou d'une autre. Hein, eh ben, on se donne rendez-vous à 19h après la fête privée de la mienne. Comme ça, je l'ai pas dans les pattes, quoi, il m'emmerde pas. Et puis après, on fera la montée des marches. Dans la vraie cérémonie, et puis voilà. Ok. Bon, bah, tous ceux qui gardent la maison, jet de perception, instant flic. Mais je pense que je vais en parler à ma coloc, quand même. Non, mais moi, je sais pas ce que j'ai, je suis on fire ce soir. Bah, tant mieux. Bon, il se passe pas grand-chose, mais au moins, vous êtes sûr qu'il se passe rien, quoi. Le chien attaque le grillage parce qu'il a vu le chat. Non, c'est bon, c'est redondant. Le grillage a miaulé, donc le chien attaque le grillage. Non, non, là, tu vois, si je voudrais être salaud, c'est le chien a défoncé le grillage, il faut aller le retrouver. Mais et je me dis que non, c'est bon, ça suffit. Et rechercher un chat le lendemain. Des chats, il en a tué plusieurs. Quoi? Non, non, mais bon. Non, clairement, la nuit est assez calme. Le chien est resté à l'intérieur. De temps en temps, en gros, il lève l'oreille pour regarder dehors. Arya aussi. Mm-hmm. Mais ça se passe bien. Mais à chaque fois qu'il lève et qu'il regarde dehors, vous voyez pas. Il n'y a pas quelque chose dehors qui vous intrigue, quoi. Et bah, pour revenir sur ce que Chou avait remarqué, la voiture de patrouille passe toujours aux mêmes heures. Autre chose ? Allô ? Non. On leur avait pas dit. Après, je vais peut-être essayer de me reposer un peu quand même, parce qu'on a une dure journée le lendemain. Mais... Bah, c'est ce que je vous ai dit, vous faites des quarts, c'est-à-dire chacun votre tour, vous restez debout. Et pour vous reposer. Il n'y avait pas un qui leur avait dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de passer aux mêmes heures ? Bah, en tout cas, vous les avez jamais appelés pour leur dire. Bah, en même temps, ils vont vous répondre qu'ils font leur travail et qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir du LPD, hein, tu sais. C'est ça. T'as pas de mandat, les mecs te chient dessus. Donc sauf s'ils ont envie d'être sympas. On parle pas du Mais la société de sécurité, en général, c'est pas les gens qui ont envie d'être sympas. Voilà. Bon, dans tous les cas, clairement, que ça soit toute la jusqu'à milieu d'après-midi, vous vous faites chier. Hein, il se passe pas grand-chose. Et vous tapez la discute avec... avec l'acteur qui est plutôt content parce qu'il va revoir d'autres actrices, etc. et qui pense faire une putain de soirée de ouf le soir. Oh, ça va être relou. Oh, je sens qu'il va prendre la drogue, il va être super. Yes. En même temps, s'il meurt d'overdose, c'est pas le tueur qui lui a envoyé des menaces. Hein. Mais c'est ça sera quand même pas de faute. Hey, s'il meurt d'overdose, je suis désolé. Le ami de ta copine actrice, c'est le premier suspect, hein, clairement. Ah, pas faux. Ah, oui. Oui. Donc, vous faites quoi ? Ben, pour l'instant, pas grand-chose. Donc, si oui. Tu veux aider ta copine, Lynn, on peut aussi essayer de choper. Parce que ton mec, a priori, vu que les deux s'envoient tout ce qui peut sniffer dans le nez ou ailleurs, si on le fait toper par la police,
Voilà. La détention n'est pas est interdite. Hein. C'est la consommation ? Non. C'est la vente en grosse quantité, non ? C'est ça. Et la vente illégale, en fait, entre guillemets. Non, mais après, on le coffre, on se débrouille pour dire qu'il avait un feu pas bien allumé, et puis voilà, on le garde au frais quelques heures, et puis... Le temps qu'il foute pas la merde. À la soirée. En tout cas, l'acteur, il est là, il vous parle que... Parce que, comment ça s'appelle, lui va faire la fête, mais il vous voit, il vous dit, vous êtes trop sérieux pour faire la fête. Ben, on va devoir bosser surtout, donc on sera obligé d'être sérieux si vous voulez rester en vie. Ça va, j'ai confiance en vous. C'est peut-être ce qui... Enfin bon, bref, on va passer... Ce silence, puis après, le commentaire qui fait de trop. Bah, de toute façon, il y a un futur papa, donc ça, c'est mort en général. Hein, c'est pas les mecs les plus fêtards. C'est le bon moment, hein, parce qu'après, c'est mort, hein, définitivement. En tout cas, il se sert un pré-verre avant d'aller à la première soirée et vous propose si vous prenez un verre avec lui. On est toujours de service, on n'a toujours pas le droit de boire pour des raisons évidentes de sécurité. Un verre, ça permet de rester en alerte. T'as vraiment envie que le mec qui tient un flingue tremble? C'est pas sur un verre que ça va faire grand chose. Hein. Ah! Et donc, il te sert un verre, Juan. Merci. Ouais, bah après, ça dépend ce qu'il te sert. Hein. S'il te sert un whisky ou une bière, c'est pas pareil, quoi. Ouais, ça va dépendre sur... Budweiser, 0%, c'est... Ouais, il était plus parti pour un whisky, mais... Ah bah, un whisky, ouais, partant, hein, pas de soucis. Quoi, après, je le remercie bien, et puis je porte un toast... Un verre de vin, hein, entre les deux, quoi, mais... Tu remarques quand même que tes collègues ont tous leurs caméras, Juan. Et vous filmez pas l'intérieur de la maison quand même, les gars. C'est de l'ice tea. C'est de l'ice tea. Ouais, exactement. Par contre, on est peut-être en costard, non ? Bah, vous êtes habillé en fonction, donc je sais pas si vous avez de quoi vous habiller en fonction. Moi, oui. Alors, si vous Kyle, vous habillez en oui. fonction, quelle fonction vous avez pris ? C'est ça que je suis en train de chercher. Non mais cherche pas, vu là, vu ton profil de ton personnage, tu vois, parce que moi j'ai un costard de toute façon. Ah, oui, mais Affine, c'est un costard noir, tu vois, c'est parce que. Non, mais de toute façon, mon père m'a toujours acheté des costards. Tu vas au boulot en costard. Je vais au boulot en costard. Par contre, si t'as une tenue de grand brûlé, bah c'est du second degré. Non, mais de toute façon, je suis en costard. Vous avez la petite oreillette qui va bien pour les gardes du corps, Monsieur Anderson. Pour le coup, moi, je vais pas prendre mes armes de service. Ok. Tu vas les cacher où ? Parce que voilà, robe de soirée, tout ça. Tu les confies à quelqu'un ? Je les mets dans. Bah alors après, je pense que je vais les confier. Je vais les confier à l'armurerie au central, quoi. T'es sûr que tu veux pas qu'on les porte à Je parlais à un de tes collègues, en fait. Non, par contre, je prends mon Terminator, que je mets dans mon sac à main. L'arme de sac à main par excellence, n'est-ce pas ? Bah oui. Le truc est plus gros qu'un sac à main moyen, nana, mais... Mais en fait, le truc, bah, je prends un gros sac à main, mais du coup, le truc, c'est que si je le perds, c'est pas grave. Tandis que si je perds l'un des deux autres, ça me fait... Je serais déprimé. Donc, je peux pas me permettre de les perdre, donc... Voilà. Là, je... Mais tu les enfermes chez toi, t'as un coffre. Oui, éventuellement. Moi, c'est ce que je pensais à la base, mais ouais. Moi, c'était surtout si tu les confies à un collègue pour te les filer s'il y a besoin, en fait. Non, je prends. Bah, au pire, le Terminator, je pourrais le confier à quelqu'un, à un collègue, mais. Non, mais ça me va dans ton sac, il est dans ton sac, hein, moi. Bah, après. J'imagine bien la nana en robe de soirée avec talons aiguilles, avec son petit sac et dedans que le Terminator, quoi. Moi, tu vois, je vois ça où, tu sais, un petit peu Madalton, tu sais, t'as le canon du flingue qui dépasse du sac. Avec une protection. Tu passes le portique, ça bip et tu montes des boucles d'oreilles en disant « Oui, elles sont métalliques !» Ouais, il monte sa plaque, en fait, surtout.
Mais en effet, vous êtes tous à la soirée, la première soirée avant le festival, en fait, l'avant. Il y a de l'alcool, il y a aussi de la drogue, il y a aussi des petits trucs, des petits canapés à manger. Mais dans un but purement thérapeutique. C'est très bon. faites quoi ? Je prends des canapés. Selon ce que vous a briefé dans la journée sur les sorties, les trucs, etc. Tout briefé. Va falloir qu'on trouve des points stratégiques, les enfants. Tes collègues les ont déjà. La fête, ouais. Je suppose qu'on a fait un point hier soir, en fait, pour avoir, avoir en détail les infos, ce que vous avez vu, les noms des trucs, les endroits, le plan d'évacuation que vous avez prévu, etc., etc., quoi. Histoire qu'on soit au courant, quoi. Ouais. Et la question, c'est la, dans la fête, là, il y a combien de personnes et c'est que la production de alors, du film il y a plusieurs productions. Il y a beaucoup de la production du film et il y a aussi d'autres acteurs, d'autres productions, mais ça a l'air d'être une fête en fait organisée par la prod du film et qui a invité d'autres personnes, dont des journalistes aussi. Hein. D'accord. Bon bah, moi je cherche un agent. Hein. Ouais, voilà. Donc, je prends une photo et j'envoie un SMS à Jou en demandant si elle veut un autographe de quelqu'un. Écoute, t'as une réponse, ça dépend où c'est que tu vas mettre l'autographe. Ok. Alors moi, je l'imaginais pas si chouette que ça quand même. Hein. Mais, okay. Ah, c'est wow. Pour des contenants, c'est le père Juan. Plus qu'autre chose. Ouh. On va le perdre. Ah non, c'est... C'est trop tard. Il y a un petit camarade qui tape pas mal le whisky du père Peter, là. Petit coup de chaud, là. Et tes camarades te disent, mais c'était de l'ice tea. Ah bah oui, mais c'est voilà, c'est de l'ice tea mexicain, tu vois, il y a un peu de piment ouais, dedans. C'est de l'ice tea, mais du 25 ans d'âge. Hein. Oh l'horreur, quoi. En fait, l'ice tea, au bout de 12 ans, ça commence à fermenter, tu vois, donc... Ouais, c'est ça. C'est ça, le goût de pomme. Ça a un goût de chat, mais c'est souvent pour soigner les caries, tu vois. Bon. J'ai de perception instant flic. Tout le monde. Tous. Enfin, sauf Lynn qui me retire 2 dés, parce que t'es occupé à trouver un agent. 6. Ah bah oui. Heureusement que je reste concentré. Waouh. On fire de notre ami Max. Bah en fait, il se rend compte que toute l'équipe part en mode écolière à la sortie de l'école, tu vois, et là je fais oh putain. Et donc il redouble de concentration. 4. L'école, tu redoubles, ouais. Bah si tu bosses, tu redoubles pas. Ouais, les plus grands redoubleurs de l'école, c'est les profs. Hein. Alors, ok. Bon bah pour Lynn et Torgen et Juan, vous êtes occupés par autre chose. Lynn trouvait un. Ah oh, les canapés sont pas mauvais aussi. Hein. Voilà. Torgen à entretenir son réseau et Juan à prendre un autographe. À réfléchir à comment tu vas te débrouiller pour avoir un autographe sans te faire virer par la sécurité. Sinon, par contre, les deux autres, ouais. Qui restent, vous remarquez un truc bizarre. Mm-hmm. Comment il s'appelle ? Grégory. Il est tombé au fond de la piscine. Non. Oh non. Oh, non. Quelqu'un le poursuit en hurlant, reviens, gamin. Oh, le mec qui joue le méchant dans le film. Ouais. Il vous paraît assez... Il a un comportement étrange, en fait. Nerveux ? En fait, il essaie de faire attention que personne ne le regarde et au moment où il pense que personne ne le regarde, en fait, il s'en va. Ben, j'avertis tout le monde que Grégory est en train de. Eh, hey, il est parti. Et j'essaie de le suivre. Mais je demande surtout aux plus discrets de la bande de suivre parce que moi, je suis pas spécialement discret, quoi. Ok, j'y vais. Ah ben, je croyais que c'était moi.
Non, non, toi, le whisky, il t'a chauffé. Il t'a chauffé. Voilà. Il n'y avait que le whisky. Vas-y, fais-moi ton jet de coordination discrétion. Alors, coordination. Je n'ai pas, je crois. Ça. Ah, si, je l'ai. Ah, j'aurais pu le faire. Mais tu vois, tout le monde a discrétion, mais il y en a qui. Moi, je l'ai pas baissé, par exemple. J'ai gardé les trucs de l'école. En fait, Clyde, le c'est secret. Ton jet, ça le 4 c'est dans la tête. Non, c'est pas ton non, jet, non, 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 attends. Oula. Comme les coups de couteau. Je me suis loupé. Je me suis loupé. Quelqu'un d'autre. Bah, vu que la difficulté était de 1. Alors, ce qui se passe, clairement, tu fais du bruit, tu vois qu'il s'arrête, il regarde autour de lui. Donc, t'as eu le temps de te cacher, mais en gros, il y a des chances qu'il se doute de quelque chose. Il a un doute. Dans tous les cas, il se dirige vers le sous-sol du bâtiment. Il va faire caca. Tu, c'est tu bon. Peux soit faire un 50. Il se dirige vers le sous-sol du bâtiment. Ami, hein. Mais je considère que vous êtes au courant hein, de ce qui se passe. Ouais. Parce que Juan, tu le suis aussi ? Non, mais Juan, tu le suis aussi en discret ? Bah, si, à deux, hein. si Denis me dit qu'il a un souci, moi je veux bien le prendre aussi en filature. Bah, plus on est de fous, moyen de rire. Allez, hop, on va tenter. Ok. Coordination, discrétion, hein, on est bien d'accord. Mmh. Yep. Donc, trois succès. Mmh. Ok, alors attends, hop. Je laisse passer, partir devant ouais. Et que s'il y a besoin, je le rattrape. Comme le gars, il se doute de quelque chose, bah, il va refaire un jet. Ok, ça passe. Clairement, il s'enfonce dans la machinerie de la pièce. C'est-à-dire, il commence à avoir pas mal de bruit, de fumée, c'est difficile à le suivre, mais t'arrives à le suivre sans te faire repérer. Ok, je préviens mes petits camarades qui va dans la machinerie, ce qui est assez vraiment bizarre, donc qu'ils se tiennent prêts, on sait jamais. Ok, c'est reçu. Ça va, on n'est pas sur un bateau. Hein. C'est l'eau de l'iceberg. Bah, t'as quand même tout ce qui est ventilation et comment ça s'appelle, échauffage. C'est un gros bâtiment en fait. Donc, si, c'est quand même. C'est pas un bateau, mais c'est quand même. Il faut une explosion de chaudière à gaz. Enfin, c'est lui qui va se péter la tronche, quoi. Ouais, ça va concerner aussi toutes les personnes dessus, quoi. Il est en bas de l'escalier et il fouille dans sa poche et il tire un objet oblong et courbé dans l'obscurité. Juan, tu vois ça. Ouais, dans l'obscurité. Tu as le droit à un jet de perception difficulté 3. Perception pure difficulté 3 pour identifier ce que c'est. Pied de biche. Réussi, 3 succès. Une pipe à crack. Carrément. Ah ouais ? Il vient de se sortir une pipe. Qui ressemble pas mal à une arme en fait dans l'obscurité, mais il a l'air de. Et il est en train de se préparer sa dose pour se fumer son truc dans son coin, quoi. C'est ça. C'est un hobbit. Bon, faut s'alerter les gens. On a affaire à un junkie en fait. Puis là, il sort un pain de C4 et. Et il le fume. Et il le fume. Ce mec fume des pains de C4. Ah d'accord. Bon, non, je dis tu que. Tu restes pour le regarder fumer ou tu t'en vas? Bon, je vais le laisser, de toute façon. A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas interdit de consommer de la drogue. Donc... Moi, je te demande si tu peux l'éloigner des trucs explosifs et dangereux pour la santé du reste de la population. Pour le coup, il a pas l'air d'être dans. Enfin, il est pas contre les machineries ni rien. Ouais, il est en bas d'un escalier. Il s'est juste retiré pour filmer son crack et il va remonter après, quoi. Bah, il s'est mis peinard, quoi. Voilà. Ouais, c'est tout. C'est lui un endroit où il n'y a pas de détecteur de fumée. Il va pas ressortir son bong là en plein milieu de la partie pour. Donc bon. Tu remontes. Ouais. Ok. Ah, c'est dommage. Et je m'en doute bien. Non, parce que en fait, après, c'est marqué si les PJ interviennent, il va commencer par dire qu'il y a un délit de sale gueule et va menacer d'en parler à son avocat avant de se raviser si on lui parle de son tabac. Mais bon, bref. Mais bon. Ok. D'ailleurs, Lynn, j'aurais pas dire, mais dans la profession, ça a l'air de se shooter un maximum. Hein. Par expérience, certes.
Je vois pas ce qu'il fait dire ça, dit-elle, une pipe à la main. C'est parce qu'ils ont pas l'image de la droiture, voilà. Tu vois. Je vais me sacrifier pour la porter dans ce milieu-là. Bon courage. et pourtant, crois-moi, les causes perdues, je m'y connais. Hein, mais alors, pourquoi... ouais, ouais, peut-être, mais... Bon. Bon, bah, je reprends. Dans tous les cas, la petite soirée se passe et il se prépare à aller à la cérémonie. Juste une petite question. Est-ce que, un, je trouve un agent, et deux, est-ce que ma tenue fait sensation? Alors, ta tenue, clairement, elle fait sensation. Vu ce que t'as payé, t'as des gens qui vont venir te parler juste pour savoir où tu l'as trouvé, etc. Alors, vous étiez aussi, mais... Mais ouais, un agent, clairement, je considère que tu récupères des cartes, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, ça suffit, ouais. Tu te fais un petit panel de cartes. C'est pas dit que ça te servira, mais je considère que t'as un panel de cartes. Après, tu verras ce que t'en fais. Ouais, en joueur, je peux faire un deck. Tac, tac. C'est ça, ouais. Et là, j'utilise la carte spéciale, agent de Silversor Stallone. Oh, putain. Je pose un terrain, ouais. Est Hollywood, tac. dans tous les cas, bon bah... Peter Shelley aussi doit aussi remettre un prix, c'est-à-dire il doit passer un moment, comment ça s'appelle, sur l'estrade, en tant que pour remettre un prix avec ça veut dire que... Jennifer Aniston. Ah, ça va être chaud. Ça change Aniston, tout, parce que... Non oui, je crois que normalement il y a un T. Mais enfin, si c'est toujours la même, elle est peut-être vieille et morte. Oui, non, mais c'est ça. Non, c'est... Ah non, c'est dans 10 ans. Hein. Ouais, mais du coup, il y a quand même un... On n'avait pas prévu qu'il parlerait, donc pas mis de truc anti-sniper quand il parle, quoi. C'est quoi, un truc anti-sniper? Aria dans les théâtre, coursives. Hein? Aria dans les coursives. Mais je considère que si. Ah bon, d'accord. Bon, bah c'est bon. Par contre, il faut que quelqu'un aille dans le QG caméra, je pense, pour avoir une vue... Ok. Pouvoir nous relayer des infos. Lynn, toi, t'es dans la fosse avec ton ami le journaliste, je suppose. Ouais. Enfin, assis. Il te glisse qu'il a potentiellement d'autres informations qui vont t'intéresser, mais il t'en parlera demain, en fait, après la soirée, parce que là, il a pas pris les papiers sur lui, quoi. Oui, bah, il peut me les envoyer par. Et je lui demande dans la liste des contacts... Clairement, il les enverra pas par quoi que ce soit, il te les filera en main propre, parce qu'il a pas spécialement envie que son nom soit relié à ça. Ok. Et je lui montre les cartes d'agent, et je lui dis lequel... Bon, il écrème un peu, il te dit ça... Alors, il va pas t'en conseiller, mais il va t'en déconseiller certains. D'accord. Disant, eux, ceux-là, ils te retirent en gros les gros enculés, en fait, dans le tas. Ok. Enfin, après, il te dit, après, tu fais ce que tu veux, hein... Non, mais je prends ses conseils volontiers. Tac. Et il te donne une carte en plus d'un de ses amis, au passage. En te disant, au pire, voilà. Donc, les autres, vous patrouillez, c'est ça? Yep. Vous me faites tous, sans même Lynn, vous me faites tous un jet perception instinct de flic. Lynn, t'as un dé de moins vu que t'as moins de t'as moins de possibilités de voir autour de toi. Oui, mais j'ai un Terminator, donc Oh. Ouais, bien. Ouais, ils ont tous leurs armes de service, les autres. Hein. Oui, mais c'est pas une arme qui tient en rafale. Clyde, il est appelé par quelque chose. Ah non, mais moi, je fais des jets de merde. Ah, mais toi, tu remarques bien le mec en ciré jaune avec sa hache. Ouais. Mais sinon, rien. Last Action Hero. Exactement. J'espère au moins que tu restes professionnel. Non, moi j'étais plutôt en train de voir la DeLorean qui se garait avec un mec qui descendait avec un blouson rouge et puis une grande veste blanche pour l'autre. Punaise, des jets de merde. Juan 4, c'est ça? Ouais. Juan, toi tu remarques un truc que les autres n'ont pas remarqué. Tu fais a mal boutonné sa robe arrière. Non. Tu refais des rondes et tu remarques en fait il y a un caméraman sur la passerelle qui te paraît assez suspect. Il y a des passerelles en fait au-dessus des gens et il y a un caméraman qui te paraît dans son attitude assez suspecte. Qu'est-ce que t'en fais déjà?
Bah déjà, je vais prévenir mes petits camarades que il a un signe distinctif, ce mec-là, ou je dis le quatrième en partant de la droite en haut. Bah, en fait, la passerelle, il y avait pas de caméra prévue. Enfin, du moins la veille, vous avez pas vu qu'il y avait une implantation de caméra là. Il y a une caméra maintenant. Il y a un mec, mais surtout, il a l'air d'être nerveux en fait. Ok, bah, je prends mes petits camarades qui a un truc bizarre sur la passerelle avec un caméraman et je me dirige, je vais aller le voir. Sur l'UTU. Ok. Non, Max. Jette perception. Les autres, je considère que vous avancez aussi. Perception tout court ou... Je reste près de chez les... Deux secondes, c'est que pour lui. Pour celui qui va le plus près. Bah moi, j'essaie d'aller vers là-bas, mais je suis peut-être un peu loin, je sais pas. Bah après, on verra s'il réussit ou pas déjà. Déjà, juste celui. T'as deux succès déjà. Écoute, c'est réussi. Tout le monde, en fait, dans le bâtiment, en fait, a un badge de sécurité, à l'exception des VIP qui ont leur badge, mais pas sur les apparitions publiques. Mais tous les techniciens ont un badge. Il a pas de badge, le gars. Et sa caméra te paraît hautement vieille. Non, hautement vieille, surtout, assez ancienne. Clairement, d'accord. En fait, toutes les autres caméras, en fait, sont c'est à peu près les mêmes modèles. Là, ça te paraît d'un truc beaucoup plus vieux. Bon, code rouge, j'ai un type sans badge et apparemment sa caméra me paraît très 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 louche. Bah écoute, moi je vais aller voir ce qui se passe. Si tu peux prendre l'autre côté de la passerelle, comme ça on le prend en tenaille, ça serait pas mal. Dans le pire des cas, moi je dis à Peter Shelley d'ouvrir une valise et de... Ah oui, pour avoir la valise de... De protection, ouais. Bah je considère que vous l'avez mis derrière le pupitre. Ouais. Bah, Peter, il est en train de faire sa déclaration. Ah alors, oui, d'accord. C'est Denis qui l'a, la valise. Ouais. Il est en train de faire sa déclaration. Quelle est la valeur de la valise ? Hein ? Ah, c'est... oh putain, j'ai mal. Alors... oh, cette référence de jeu, putain. Tu m'as tué. Moi, je pensais plutôt que sous le pupitre, il y avait une grossesse comme dans Police Academy, tu vois. Il y en a aussi une. D'ailleurs, bon, Lynn, sinon, à côté de la valise. Lynn, t'aurais pu te mettre sur pupitre. Bon, on retourne sur du sérieux, merci. De toute façon, il est en train de faire son négociation. Moi, je fais comme dans Bodyguard. Hein. Et c'est tout. Hein. C'est-à-dire, tu vas prendre tes bras et tu l'emmènes à pied en tapant des champs à coups de tatane. Bah, c'est surtout que bah, je vais me jeter pour le protéger, quoi, en fait. Pour attends, il y a rien dessus en passant. Calme-toi. Bah. Oula. Retiens ton bras, mon doux prince. Tu rentres sur le. Pour l'instant, tu rentres sur le plateau avant de te jeter dessus, peut-être. Ouais. Bah, de toute façon, vu que je suis un peu son garde du corps, je suis celui qui est resté toujours près de lui. Et là, ouais, il mais est pas sur le plateau télé, en fait. Hein. T'es à côté du plateau, t'es pas rentré dessus, hein, quoi qu'il arrive. Écoute, rapproche. Je l'ai escorté jusqu'à ce que je rentre pas dans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai escorté jusqu'à ce que je rentre pas dans le champ. On est d'accord. T'es à 4 pas de lui. T'es à 4 mètres de lui. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Bah, c'est ça, je pique un sprint et puis je vais le protéger. Hein. Tu piques un sprint là ? Non, pas maintenant, il y a pas encore. Je dis que y a un code rouge, j'ai pas dit que c'était action. Ah, t'as dit code rouge ? Code rouge, moi, c'est. Je vais juste dessus et je le protège. Non mais bah, attends de voir une arme, tu regardes et puis si tu vois une arme, tu le sors. Mais si c'est une caméra, c'est une caméra quoi. Bah c'est ça. Si ça se trouve, c'est le vieux papy qui est en train de filmer. Il y a peut-être un fusil dans la caméra, mais. Oui. Ça... Alors on va le refaire. Sur à l'étage, il y a sur le comment ça s'appelle sur la passerelle. Il y a d'un côté Max, de l'autre côté Juan. Le mec est sur sa caméra, il vous a pas gaulé. En bas, il y a Denis qui est prêt à sauter. On est d'accord. La question, c'est est-ce que Denis saute ou pas ? Lui, il est parti pour sauter. Hein. Bah moi, j'ai entendu code rouge dans la radio, donc chez là, il est protégé. Non. Ok, donc tu sautes sur Shelley. Code orange, code non, orange. Non, c'est trop tard. Non, je suis désolé, je suis assez d'accord. Et il y a eu code rouge de dit. Tu sautes avec la valise. Il y a les gens, tout le monde se lève, qu'est-ce qui se passe et tout. Le gars, il regarde, le caméraman, il regarde, genre, il prend sa caméra, il regarde, genre, ah putain, il y a de l'action. Comment ça, il prend sa caméra à l'épaule. Je me rapproche très rapidement de lui, là. Ouais. Moi, je mets la main dans le sac. Votre badge, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est quoi ça ? Oh merde ! Il se retourne et il part dans l'autre sens et il tombe sur Max.
Hello. Bonjour. Identification, que faites-vous ici? Et les burners, please. Vous êtes pas le tombé, lui, ces robots. Tu vois qu'il attrape un truc sur sa caméra, il va pour le balancer. Chope-le. Réflexe. Ah, j'essaie de choper, hein. Réflexe pur en difficulté 3. Vous pouvez le faire tous les deux, le jet. Hein. Ah, je suis d'accord. Ça me plaît. J'ai bien fait d'augmenter mes réflexes. Oh, superbe. Ouais. Non, ouais, ça se voit. Les deux. Oh, bah, il a balancé un truc par-dessus bord, vous avez pas eu le temps de voir c'était quoi. Mais ça ressemblait pas à une arme en tout cas. C'était plus petit, mais. Ouais, c'est un carte d'identité peut-être. Bah, je sais pas, mais en tout cas, Lynn, c'est tombé quelque part là-dedans. Ouais, bah c'est tombé quelque part où le moment où les gens se sont tous levés, quoi. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui se l'est reçu sur la gueule. Mais ouais, vous savez pas ce qu'il a balancé, vous avez pas le temps de voir, en plus avec l'obscurité, ouais, bon. Et il vous dit, non mais j'ai rien fait, hein, calmez-vous. Vous avez accédé à une zone limitée, sans autorisation, vous étiez en train de faire un acte qui était suffisamment louche. Non, j'avoue, je filmais. Mais j'ai rien fait de mal. Montrez les bandes. Il y a pas de bandes. C'est une caméra numérique. Ah merde, putain, ça marche comme ça. Ah mais je savais pas comment ça marchait. Ouais, c'est un paparazzi, quoi. Ouais. Vous me faites un jet de perception électronique, les deux, là? Ouais, c'est un mec qui diffuse sur Twitch. Électronique. Ouais, ouais, électronique. Ok. Si j'ai pas électronique, c'est du quoi? C'est du 9? 10. 10. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Bon. Un succès. Hey. T'as le droit de péter un point d'ancienneté pour réussir. A priori, non, en fait, c'est un truc de... Bah non, t'as 0, t'as 2, ouais, t'as fait 0, tu vas pas péter. Donc, clairement, sa caméra a l'air fonctionnelle, c'est une vraie caméra qui doit diffuser du live, en fait, et ce qu'il a dû balancer, c'était l'émetteur. Pour pas qu'on sache, en fait, où c'est, sur quoi il émettait. Ok, j'essaie de voir ce qu'il pouvait voir d'ici, en fait. Bah, la scène, en fait. Ouais, mais c'est bon, file à la sécurité, ce type, il diffuse sans autorisation et tout, quoi. Ouais, mais j'essaie de voir s'il voit quelque chose de la scène qu'on voit pas d'ailleurs, enfin, genre bah, ce que tu vois surtout, c'est qu'il y a Denis qui est en train d'évacuer l'acteur, et que les gens sont là, atterrés par ce qui se passe, les commentateurs sont en train de s'enflammer... Alors, on peut peut-être annuler l'ordre de... Ouais, mais Denis, c'est bon, ramène-le. C'était un code orange, code pas blanc. Un code rouge. La prochaine fois, attends de voir une arme avant de dire code rouge, bordel. Je préfère me gourer et avoir le type en vie plutôt que l'inverse, quitte à choisir. Hein. Bon. J'explique à Chenez ce qui s'est passé. C'est juste que... Il rigole. Il fait « t'inquiète pas ». Et puis il va sur scène et il fait 2-3 vannes et il rattrape le truc. D'accord, ok. En disant... en gros, des vannes sur le fait que a priori... il est menacé. Limite, s'il y a quelqu'un qui le menace, c'est un peu du troll envers la personne. Ouais. Je pense que là, il va passer à l'action maintenant. Il est bien chaud maintenant. En même temps, quelque part, ça nous arrange parce que ça nous donnera les moyens de le choper, tu vois. Ça fera une mission plus courte. Ouais. C'est-à-dire, okay. On le laisse à la sécurité pour qu'il s'occupe de lui. Mais on prévient la sécurité que et puis il t'invite, Denis, à aller sur scène pour remettre le prix avec lui. Ah, bon, bah, en avant. Alors, hein. T'es pas obligé d'accepter, hein, parce que clairement, ça s'appelle un piège à con hein, devant toi. T'as pas besoin. Clairement, l'audience est chauffée pour répondre à des conneries et il risque de jouer avec toi, en fait. Ah ouais. Alors, pour te venger de l'avoir un peu humilié en public. Et je te dis non, hein, je te fais des. On vend la tête, je te fais. Non, bah non, alors. On voit le chien. Ouais. Et tu vois qu'Aria, en fait, elle s'est assise sur le... elle est assise au milieu de la scène, en fait. Aria, viens. Oh, demande-lui de faire le beau et tout, là, ils vont être contents, ils vont se marrer. Bon, dans tous les cas, il remet le prix. Alors, attends, je crois que j'ai... Hop. Alors, c'est quoi déjà le... Et le gagnant est... Donc, tac, tac, tac.
Alors, en ce qui concerne le plaquage en pleine présentation, le gars. Bah, en fait, c'est la belle Jennifer qui est en larmes quand elle remet le prix à son fils Ocean Aniston. Pour donc bah le c'était le supporting actor of the year award, donc le second rôle, donc elle est remis à son propre fils et elle est en larmes et ça fait le tour des réseaux. Enfin, sauf un qui a été arrêté par une police fasciste et capitaliste, fasciste capitaliste. Voilà. Ouais. Alors, on précise bien à sécurité qu'il y a son transmetteur qui est quelque part dans la salle. Donc, quand les femmes de ménage font le ménage, qu'elles jettent pas tout, quoi. Moi, j'essaye de dire à mon voisin de devant de me le passer, tu vois. Enfin, j'essaye de regarder si je le vois, sinon. Non, franchement, tu sais pas où. Par contre, plus il est tombé. Ouais. Non, il y a pas moyen. Bon, bah, je vous dis que j'en ai rien à foutre, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je sais pas, on sait même pas à quoi ça ressemble, donc. Et donc, à la surprise générale, c'est que Sunset ait reçu le. La surprise générale, c'est bien que Sunset ait reçu le prix du meilleur film. Les époux Gasquet sont repartis bredouille. C'est la belle Liv Tyler qui a emporté face à sa cadette. Tandis que Al Carey s'imposait en tant que meilleur acteur de l'année, prix qui ne lui a pas porté chance. Effectuant un numéro de claquette en grimaçant, le comique a trébuché et tombé dans la fosse en tentant de se rattraper, venant. S'affaler au pied de Madame le maire assise au premier rang. Rip. Donc content de se ridiculiser, il a trouvé le moyen de se blesser avec son propre trophée, qu'il a tordu par la même occasion. Ah, si on veut faire un attentat sur la mère. Il y en a qui passent des soirées plus beaux. Oui, il y a la mère qui est dans la salle, ouais. Mais dans tous les cas, le reste de la soirée, en dehors de ces deux incidents, le reste de la soirée se passe bien. Sachant que bien sûr le service de sécurité quand t'es arrivé sur scène a réagi aussi pour protéger la mère, hein. C'est-à-dire qu'elle a été évacuée pendant 5 minutes le temps qu'on voit ce qui se passe. Nous enfin toute la production du film les condamnés sont sur la même rangée, je suppose, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée, enfin c'est pas sur deux rangées, mais ouais, ouais, c'est... ouais. Ils sont assez proches et certains se font interviewer, etc. Dans tous les cas, reste le gala pour tout le reste de la soirée. Je vous signale que notre producteur a chauffé son ou ses ennemis là. Hein. Donc, si le mec est vénère, il va peut-être pas hésiter à passer à l'acte. Enfin. S'il était passé à l'acte, ça serait plutôt dans la cérémonie qu'au gala, parce que le gala c'est plutôt fermé comme ambiance. Ouais, mais c'est peut-être plus facile parce que la cérémonie pour essayer de se barrer, vu que tout le monde est dans la salle et qu'il n'y a plus personne aux alentours, tu te fais plus facilement toper. Le gala, t'as peut-être plus de chances d'avoir la sécurité beaucoup plus lâche en fait. De toute façon, c'est des mecs qui travaillent pour Castle, donc forcément qu'ils sont lâches un peu. Hein. Ok. Enfoiré. Donc. Moi, ouais, je les prends tous un par un. Hein. Ouais, à part un. Pas tous ensemble. T'es passé à la télé quand même, hein. C'est cool. Ouais. T'étais en uniforme ou t'étais en costard? Costard. Ok. C'est bien. Si ton patron t'engueule, ça sera pas trop fort. C'est ça. Y a tous les méchants qui t'ont retrouvé, qui t'ont vu. Et je suis désolé. Mais Pour le coup, oui, c'est grillé, il a bien été vu à la télé, et c'est bien. On aura pu faire de trucs en filature ou. Bah, sa tête est connue. Par contre, dans la soirée, Lynn, tu reçois un SMS de ta coloc qui te demande pourquoi. C'est normal que ton collègue était au milieu de la cérémonie et s'est jeté sur l'acteur. En gros, c'est sous-entendu. Est-ce que vous avez chopé le quelque chose pour faire non, un article? Non, fausse alerte. Non, il s'est retrouvé pris dans un Mexican stand-up en fait. Je réponds que c'est une fausse alerte. Un mec qui s'était incrusté pour filmer de façon pirate l'événement, okay. et.
Y a ton cavalier qui te donne rendez-vous demain à midi pour... il te donne en fait un restaurant, il te dit on se retrouvera là-bas pour que je te file les infos que j'ai eues. Ok. Mais il y a du lourd, du très très lourd. Tu me fais rêver. Je trouve que ton cavalier t'invite de façon fort cavalière, justement. Oui. Oui. Ah bah, c'est toujours mieux que de jouer Charisma. Hein. Mais bon. On ne reviendra pas là-dessus. Ce qui se passe dans les restos, resto, c'est bien connu. Qu'est-ce qui se passe durant la soirée? Donc, Peter a décidé de se détendre et de vous engrainer dans sa détente. Ah non. Hein. Ah bah, en tout cas. Lui, il a l'air de tourner à l'alcool et avec son nouvel ami qui lui saute dessus parce qu'il arrête pas de faire des blagues là-dessus. Yes. Il te propose aussi de t'envoyer un petit peu d'alcool parce que faut se détendre un peu. Est-ce qu'il y a des caméras ou est-ce alors que c'est le gars, c'est dommage, c'est dommage, on voit pas mon visage, mais en fait je reste de marbre et je suis détendu. Voilà. J'ai une question, j'ai fini mes jours de tournage ou pas du tout? Ouais, il t'en reste encore un peu, mais normalement c'est genre qu'il y a eu quelques heures par-ci par-là. Ouais, moi je vais participer un peu à la fête. Mais... De toute façon, demain c'est relâche, hein, y a pas de tournage. Hein. Ouais. Le tournage on pourra lundi. Y a que deux personnes qui font le taf, le reste fait la fête, c'est ça? Bah, je sais pas. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait que deux personnes qui faisaient la fête, mais... C'est qui la deuxième? Bah, c'est Lynn et l'acteur. Et Juan aussi, a priori. Pourquoi, bah, a priori? Non, il n'a pas non, dit qu'il faisait la fête. J'ai jamais dit que je faisais la fête, moi. Il a dit j'ai dit que l'acteur essaie de vous engrainer, mais personne m'a dit qu'il répondait positivement pour le moment. Et justement, j'allais le faire tout de suite. Pour savoir, voilà, il y a Lynn qui s'en canaille. ce qui est assez rare, mais ça arrive. Non, mais c'est pour. Ouais. C'est pas non plus. Bon, de toute façon, elle n'est pas vraiment en service en fait. Hein, donc... Voilà. Elle a testé les feux des projecteurs, maintenant elle en branle plus une, et tout ce qu'elle fait, c'est boire de l'alcool et traîner avec des gens. Max, il rumine dans son coin de jalousie. Pas du tout. Pas du tout. Max, il se dit putain, je pourrais chez moi dormir. Je vais la jouer subtile, moi, je vais faire « ouais, je prends le verre, je discute et tout, mais dès que je peux, je verse dans un pot de fleurs et puis... » Bah, tu vas voir le producteur qui, au bout d'un moment, va venir te voir et te dire « au lieu de verser dans un pot de fleurs, file-les-moi tes verres. » Si tu veux, il n'y a pas de souci. La plante, elle commence à être bourrée. Autrement, tu la joues à la barman, c'est-à-dire que tu as toujours une bouteille d'alcool vide, une bouteille de bière vide à la main, ou pas très loin. Et chaque fois qu'on te sert un shot, tu prends le shot de la bouche, puis tu bois de la bière, et comme par hasard, la bouteille de bière, elle a un tout petit peu plus de liquide dedans. Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, c'est un moyen de donner l'impression que tu bois sans boire. Ah ouais. Ah bon, ouais, chez Shelly, au bout d'un moment, le ficus va commencer à onduler tout seul. Ok. Ouais, tu demandes des Perriers, hein. Ok, aller, donc... Hein. Donc, tu restes sobre, Denis reste sobre, Max reste sobre, il reste Clyde. Oui. Clyde, est-ce que tu te laisses aller? Est-ce que tu fais la fête? Non, je ne fais pas la fête. Oh putain, avec que des rabat-joie, quoi. Bah, globalement, le mec vient de taunter les gars qui le menacent de mort. Donc, bizarrement... Ouais, bah, vous êtes au taquet, vous regardez ce qui rentre, ce qui sort... Écoutez, vous me faites un jet de perception instant flic. Le fait de faire semblant de boire me permet d'être au plus proche pour regarder les... Lynn, t'en fais pas, pour le coup. On fire. Moi, de toute façon, ça y est. De hein. Toute façon, j'en ai ras le cul. De ce métier merde. Hein, j'ai trouvé un métier payé. Voilà, donc... Je vais faire actrice. C'est ça, gros. Parce que là, au moins, quand je tourne des films, je peux tirer entre non, les mais yeux des gens sans... Regardez, la pauvre Garcia, elle avait une voix magnifique. Un petit séjour à South Central, et puis pouf, plus rien. Elle est restée sans voix, la pauvre. Ça fait combien de temps que tu la prépares, celle-là? ça, c'est parce qu'elle boit. Ah, ça lui est resté un peu à travers de la gorge, quoi. Vache. Donc, la soirée se poursuit. Il est à peu près 1h du mat. Les gens sont
bien, voilà. Par contre, bon, à part quelques personnes qui ont voulu s'incruster à la soirée et qui sont faites en vite repérer, ça a l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs bizarres. Lynn. Ouais. Il y a Isabelle King qui vient te voir. Ah. Elle te prend dans ses bras et elle te fait. Elle a l'air super heureuse. Et elle fait je rentre chez moi, tu m'accompagnes. Oufi. Ouais. Ok. Tu vois que les en fait. Je suis un peu surprise de cette. Bah, mais ok. Mais en gros, elle te dit, on va faire une after chez moi entre filles. Et tu remarques en fait, vous êtes trois filles en fait, hein, pour le coup. Ok. Il y a Isabelle King, comment s'appelle Milena et toi. Et Milena comme elle, ont l'air waouh, ouf, la fête. C'est ça. J'entends les couleurs et je vois les sons. Waouh. Ok, bah du coup, je vous dis que je vais raccompagner la fille de tonton Jason. Et, la nièce de tonton Jason. Enfin, la nièce de tonton Jason, et voilà. Du coup, ok. Ok. Que vous n'avez plus besoin de me protéger. Peter, il commence à se mettre à poil pour se montrer aux fenêtres. Non. On va peut-être le calmer là. Non. S'il faut, je l'immobilise, hein, mais. Il n'y a pas besoin. À un moment, vous pouvez le ramener dans son lit quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais attends, Peter, avant de te déshabiller, reprends un verre. Comme ça, au bout d'un moment. Ça serait pas sérieux. Non, mais en même temps, qui parle d'être sérieux, c'est la fête. T'as raison. Allez, on se fait un ride de coke. Non. Peter. Tu sais quoi? Je pense que là, t'as fait exactement ce qu'il fallait. Je pense que c'était nickel. L'idéal, c'est de te préparer. Prépare-toi pour demain. Demain, c'est là où ça va être important. Demain, on dort! Ils t'ont pas dit? Il y a un changement de plan? Et tu vois qu'il t'écoute pas, qu'il va vers là où en fait il y avait de la coke qui avait été mise en évidence. Une pièce montée de coke. Non, peut-être pas, c'est pas quand même. Ça serait rigolo, mais non. Surtout qu'ils savent qu'il y a des flics qui sont dans le coin. Donc. Et il s'envoie un rail. Il fait « Ouais, c'est reparti !» Yatta. Oh putain. C'est pour ça que je suis joie. Merci Max de ta tentative. Pendant ce temps, toi t'es dans une limousine avec trois nanas. Enfin, avec deux nanas qui sont très chaudes en fait et qui commencent à être très entreprenantes les unes envers les autres et envers toi. Ok. Yes. je vais me laisser. Enfin, je vais être plutôt distant par rapport à ça. J'envoie des textos à Juan et enfin aux autres quoi, Juan, Denis et Max et du coup Clyde aussi et en expliquant la situation. Enfin pas l'explication en détail hein, je reste assez vague quand même mais que en gros je suis dans la limousine et qu'a priori voilà on se tient au courant demain et voilà. c'est très bizarre comme SMS. Je parle dans l'oreille à mes petits camarades en disant quelqu'un a compris le message. SMS c'est trop bizarre. Moi je réponds juste amuse-toi bien. Qu'est-ce que je voulais dire Moi je dis qu'il faut que j'aille faire une photo. Tu vois Isabelle King qui est là. Allez, on a déjà été dans un lit ensemble, c'est bon, détends-toi. On refait la scène. T'as pas mal changé par rapport à hier où on a fait la scène et t'étais toute timide. Oh bah, elle sent l'alcool en même temps. Hein. Après, est-ce que moi je suis assez assez rond pour être. Je te laisse complètement à ton interprétation. Tu veux me dire que tu dessoules net ou que. Je pense pas aller. Parce que je pense que. Non, mais après, c'est un peu un entraînement pour ma nouvelle vie aussi, tu vois. dans tous les cas, vous êtes escortés par les gardes du corps de Madame King. Et en gros, ils arrivent dans une villa qui est la sienne. Et elle te propose en fait de rester pour la nuit avec les deux filles. En fait, en gros, clairement, elle te propose un plan à trois. Hein.
Ouais. 4 ? Non, 3. J'ai 3 filles. Bah, t'as dit elle plus 2 filles plus Lynn ? Non. 4 ? Non, non. Les moi plus les deux nanas. Ah, c'est ça. Ouais. Et les gardes du corps, de toute façon, restent à l'extérieur de la maison, surveillent la maison, enfin... Pas... Bah... Pff... Ouais, et c'est ici que je lève un voile pudique sur ce qui se passe dans la nuit. On va se laisser tenter, mais... Alors par contre, si le lendemain matin, tu te fais un test de grossesse et que c'est positif... Ça serait tellement beau, ça serait tellement beau. C'est qu'à il y a quelqu'un qui cachait bien son jeu dans le groupe. pendant ce temps-là... Je pense que Lynn prend la pilule quand même, hein, mais... pendant ce temps-là, à l'autre côté de Los Angeles... Moi, la première chose que je fais, c'est rappeler à mon collègue, mon partenaire qui râlait félicitations pour ta tentative, que c'est lui qui a dit non, on continue à faire la fête. Donc, c'est lui qui l'a encouragé à prendre de la coke. Et donc, c'est lui qui va faire en sorte qu'il arrête de prendre de la coke et de l'alcool et qu'on le ramène. Ah, mais là, c'est bon. Il est reparti. C'est toi qui l'as renvoyé. Le mec, on avait les moyens de le contrôler. T'as dit, allez, on va faire la fête. Regardez. Et là, je ressemble à qui? Zorro. Non, James Bond. Ouais, et tu sais quoi? Ouais, trop fort. Tu sais quoi? Je pense que James Bond, il est temps qu'il aille se coucher. Parce qu'autrement, demain, il va mourir comme une merde. Il me faut un cocktail. Il te regarde, ouais. Juan, commande-moi le cocktail de James Bond. Tu veux dire un... Un vodka martini. Pas au shaker. Ah ouais, c'est ça, cuillère. Mais... C'est un martini à cuillère. Secoué, mais pas... Enfin, agité, mais pas secoué. Avec une olive. Bon, clairement, vous essayez de le canaliser ? Oui. Ah bah écoute, si... Ah si, il faut que je le canalise net, hein. Je chauffais sur l'assistante. Il est mort à base de tabasco, de piment, de pili-pili. Vous me faites surtout un jet de sang-froid. Chauffer son assistante, peut-être que... S'il part avec une jeune fille, il voudra partir, tu vois. Bah son assistante, bah elle est pas là, en fait. Vous dites, merde, elle est passée où ? Waouh ! Ouais, hein... En sang-froid. Elle aiguise les escaliers. On fait bon, deux succès pour le jet de sang-froid et je fais un jet de rechercher l'assistante perdue. On fait tout ça, Gilles ? Trouver. Ouais, trouver l'assistante cachée. Ouais, c'est ça. Et le seuil, c'est combien, tu m'as dit ? 6. 6. Quand c'est du pur, c'est 6. Quand c'est de la pure, c'est 6. Quand c'est de la pure, c'est 6, ouais, voilà, c'est ça, surtout en ce moment. Donc les produits laitiers, c'est 6. C'est le côté blanc du produit laitier. Bah, c'est les sensations pures. Donc, 3 succès pour Juan. Et puis. Et les autres en dessous. Moi, je suis nul. Mais non. Plus bon que personne n'est nul. Qui c'est 3 qui est 3 Rohan. Bon bah en gros ceux qu'on fait 1 clairement vous arrivez pas à le canaliser, ça c'est une catastrophe. Par contre les autres bah vous arrivez à le canaliser et à le faire mettre dans la voiture histoire de le rentrer à la maison. Parce qu'on va se faire une after à la maison, c'est cool. Wouh, t'inquiète, on va dévaliser mon bar. Ouais, je vais surtout l'assommer, oui. À mon avis, je pense que le temps de faire le trajet, on va peut-être le border carrément. Mais bon. Ah, c'est une bonne stratégie, ça. Tu fais plusieurs tours de trajet, le temps qu'il se borde ouais, lui-même. Ouais, c'est ça, de plusieurs tours de pâté de maison. Ça me va. Non, je trouve très bon. C'est pas mal. Ok. Bon, écoutez, bah, quand vous arrivez, il est... Ah ouais, l'after, on la fera demain matin. Bah, il dort, en fait, je pense. Ah, une after, non, trop mal à la tête. Il s'écroule. Il fait deux pas, il s'écroule avant de rentrer. Ouais, bah, pourquoi vous avez fait 1000 km donc... Ma bagnole. Vous bon, le portez bah, voilà. Oui, je le porte. Hein. Bah, Denis. Ok, bah, il te vomit dessus en même temps que tu le portes. Yata. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, bravo. Bah, et vous rentrez, vous le mettez au lit, vous vérifiez quand même ses constantes. Ouais, c'est jamais... ça, histoire qu'il n'est pas trop... Et puis on foutra ton smoking et ton... Ah oui, non, c'est vrai, c'est un truc que t'as loué, au fait, Denis ? Non, on l'avait acheté... Pour le nettoyer. Ouais, il va falloir mettre un nettoyage à sec, etc.
Ouais. En même temps, il a dit qu'on pouvait piller le bar, hein, donc si tu veux te servir un verre pour décompresser, c'est possible. Ouais, moi je me sers une bouteille de scotch pour décompresser. petit matin. Donc. Une bouteille de scotch pour décompresser. Sérieusement. Attends. Ouais. J'aurais rangé mon arme quelque part en fait. Oui, bah tu l'auras planqué pour pas qu'on tombe dessus quoi. Voire même le donner à quelqu'un de la sécurité en fait. Ok, ça me va. Encore plus. Ça me va. Ils seront étonnés, mais pas de soucis. Donc d'abord chez. Comment ça s'appelle ? Chez Peter. Peter a mal à la tête. Peter ne veut pas être dérangé ce matin. Peter en a marre que quelqu'un marche dans le couloir, ça fait du bruit, ça résonne. Je marche en tapant des pieds. Sérieusement ? T'es un monstre ? Une fois de temps en temps, tu vois, pas tout le temps non plus, mais... C'est le moment de diffuser la Macarena à fond. Ah ouais, vous êtes en pleine torture psychologique, quoi. C'est... Pas la Macarena, tu mets de la musique, mais tu mets des basses à fond. Mais de la musique, il y a relativement beaucoup de basses. Quand je vous dis ça, il est 8h. Il a coupé son réveil à sonner, il l'a coupé rapidement, puis il est sorti pour dire ça, et puis il est rentré, voilà. Attends, c'est le moment pour faire venir Wendy et tout son groupe de majorettes. Pendant ce temps-là, à la villa des Kings, enfin à la villa d'Isabelle. Lynn, tu te réveilles avec un mal de crâne atroce et des souvenirs assez brumeux de tout ce qui s'est passé dans ce lit. Ouais. Tout s'est terminé dans le lit, t'es nu. Et à côté de toi, t'as Isabelle King qui est allongée sur le ventre, nue également. Ok. Bah, je la réveille. Alors, son corps est encore chaud, ses pupilles sont dilatées, de la salive s'échappe de sa bouche, et elle a pas de pouls. Oh, putain. Ok, je vais essayer de la... Je vais lui faire un premier secours, si je sais pas si... Une seringue à trop pin direct dans le cœur, c'est ce qui marche le mieux. Et j'appelle à l'aide, en fait. Ouais. Bah, t'as les mecs de la sécu qui arrivent, t'arrives pas, en fait, à la... Non. Allez. Et ils te disent de pas bouger d'ici le temps que les flics arrivent. Ouais, bah ouais. C'est moi, les flics. Je vais m'habiller, quand même. Je vais prendre une culotte, un t-shirt, quoi. Histoire de... Hey, avec le badge, tu peux t'habiller en disant c'est moi, le flic. Les si autres... C'est moi. Avant... Et je vous envoie un SMS, je suis dans la merde. T'as fait quoi ? Bon, après, je suis pas joyeux, hein. Mais clairement pas. Mais... Ah non, tu m'étonnes. Pas joyeuse du tout, quoi. Mais... Bah putain, t'es autant dans la merde que ça, on pourrait presque t'appeler Juan, dis donc. Bah, le temps, vous allez vous la rejoignez ? Bah, il faut au moins qu'on laisse quelqu'un avec Peter, mais oui, il faut qu'on aille la rejoindre, donc. J'appelle la police aussi. Hein. Oui, bah t'inquiète pas, les autres aussi l'ont fait. Hein, Je me doute, mais au moins, l'ayant fait, ça me dédouane un peu, peut-être. Hein, donc. Bon, allez, qu'est-ce qui m'accompagne ? Je vais conduire vite pour essayer d'être le plus tôt là-bas, histoire de voir ce qu'on peut faire. On prend la Porsche. Ah putain, bonne idée. À chaque malheur, bonne... Je te laisse conduire, c'est ça ? Tu me la laisses la pousser un peu, celle-là ? Vas-y, hop, on y va. Allez, c'est parti. Je te préviens, tu me la fais pas... À l'acteur qui a joué dans Fast and Furious. Alors, je vais faire l'annonce, radio un petit peu avant. Elle est normalement pour midi, mais je vais la faire quand même. Hein. Radio Flash, il est midi. Une information terrible vient de tomber. Isabelle King, la jeune actrice révélée par le producteur John Fairley, a été retrouvée morte ce matin dans son appartement de Downtown LA. On ne connaît pas encore les causes du décès, mais il semblerait que des cops aient été présents lors de la découverte du corps. Ce qui laisse à penser à un acte criminel. Isabelle King venait tout juste de commencer le tournage de Condamné, réalisé par James Dos Santos. Rappelons qu'elle a fait l'objet d'un enlèvement en printemps dernier et qu'elle avait été libérée dans une action spectaculaire du COPS. On peut se demander comment ces deux affaires peuvent être liées. Je vous laisse digérer cette nouvelle en écoutant Beautiful Death des Under Earth Song. Avant de vous retrouver pour plus de nouvelles.
J'écris à mon contact, je vais lui dire que le rendez-vous à midi, c'est mort. Bah clairement, Lynn, tes collègues vont arriver, mais pas avant. D'autres flics vont arriver. Bah on va te dire que tu es témoin, que tu vas rester dans la salle à côté et que. Oui. Et que les flics qui vont arriver vont hésiter à te mettre quand même des menottes. Hein. Je sais pas si j'ai eu le cran de le faire, mais est-ce que j'ai pu regarder sans forcément toucher, mais voir si elle avait été blessée, étranglée. Bah disons que t'étais un peu à poil, t'aurais pu mettre tes traces sur elle. T'as préféré t'abstenir sans gants, sans rien en fait, pour le coup, je pense, pour pas salir plus la scène de crime de ce que tu l'as déjà sali. Des traces de moi, je dois en avoir. C'est un peu l'idée. Mais bon. Je pars du principe que t'as préféré quand même pas aller plus. C'est beau quand même de démarrer une nouvelle vie et de la finir en une nuit, quoi. Et ça te fait quoi d'avoir assassiné à la fois ton amante et une concurrente en même temps? Et la nièce de ton patron. Et la nièce de ton. La nièce adoptive de ton patron qui va te pourrir la vie. Bavez, mais bon, voilà. Si moi je suis exclu du COPS, votre vie elle va être toute triste. Hein. Qui c'est qui mettra des bombes dans les pharmacies après, hein? Qui c'est qui va faire des rendez-vous amoureux en cachette? Voilà. Alors je note, en plus du dossier de meurtre par préméditation, on peut mettre. Tentative de meurtre sur un collègue. Ok. De toute façon, la suite, je pense. Bon, là, il est 23h16, ça va être chaud de faire tenir la suite. Je préfère la faire la semaine prochaine, la suite, en fait, à partir de là. Pas de soucis. Bah, y a pas une... Bah, de toute façon, il n'y a pas une cinématique où je vais au SAD. Non, il n'y a pas une cinématique où tu vas au SAD. Et pour le coup, en fait, je vous le fais très rapide, hein, mais on va vous filer l'enquête. Hein. Enfin, pas à toi, Lynn, clairement. Mais, bah oui, je me doute. Mais clairement, ouais, l'autre équipe, il y a une des deux équipes qui va se retrouver avec l'enquête à essayer d'expédier avant que le SAD mette son nez dedans. De toute façon, moi, je dis aux enquêteurs qu'on était trois. Hein, et qu'au réveil, j'en étais que deux. Hein, donc, bon. Il y en a une troisième qu'il faut trouver. Bah, de toute façon, t'inquiète pas, hein, l'équipe de sécurité l'a vu sortir. Hein. Et, pour le coup, il y a des caméras de sécurité dans la. Comment ça s'appelle à l'extérieur. Hein. Elle a pris de la drogue. Et alors, non seulement vous faites clairement, un 3, mais en plus vous filmez quoi. Clairement, à première vue, la seule chose que tu pourrais dire, Lynn, ça ressemble beaucoup à un malaise cardiaque. On gueule comme ça, ça. Ouais. Bah, peut-être une overdose en fait. Non, c'est peut-être simplement une peine de cœur. Ouais, en fait, Lynn est très forte. Elle envoie tout le monde au 7ème ciel. Ouais. Que ce soit d'une balle dans la tête ou. C'est un cœur de pique en fait. Exactement. Bon, allez, suite au prochain épisode. Est-ce que le nouveau pseudo de Lynn, ça pourrait pas être le doigt de Dieu? Le doigt de la mort, tout simplement. T'as un sort dans 2D qui s'appelle comme ça, le doigt de la mort. Hein. Oui, mais. Du coup, j'envoie le générique de fin. Au revoir les gens. Bye bye. Les gens. Et donc, si vous vous proposez plan A3, mieux faites-vous. Voilà, c'était la parole du... De...